gardien de retour. Et quel arrêt de Nicolas Dubis! Oh. Serge Laval, et voilà deux! Charles Lehmann, et voilà deux! Alex Bocage! Je vous souhaite la bienvenue en direct de Québec. C'est le match numéro 6 de la grande finale de la Coupe du Président, les séries de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Un match fort important dans l'histoire des Tigres de Victoriaville qui pourrait mettre la main sur la Coupe pour la deuxième fois de son histoire. Mon nom est Pascal Lévesque, à mes côtés, Mathieu Marchand. Ça va bien, Mathieu? Très bien, toi, mon cher Pascal. Ça va très bien, merci. On sent beaucoup de fébrilité aujourd'hui alors qu'on est si près du but chez les Tigres. Absolument, Pascal. Une seule victoire sépare les Tigres de la Coupe du Président pendant qu'ils font leur entrée sur la patinoire. Et on sent un peu plus d'implication de la part des partisans, Mathieu. On parle de l'alignement partant. Alexis Arsenault à la défense. Et le numéro 12, Charles Larochelle. Carl Abramov sera au centre. En compagnie de Sean Element et de Benjamin Tardy. Maxence Guénette et la défensive. Xavier Bernard. Justin Ducharme, Jérémy Michel sont sur la patinoire en compagnie de Samuel Poulain. Les officiels de la rencontre d'aujourd'hui, les arbitres en chef Guillaume Labonté, Jonathan Trudel, les juges de ligne Nicolas Fiché et Philippe Pilon. On va retourner au niveau de la patinoire pour l'interprétation de l'hymne national. Au Canada, terre de nos aïeux, des plus brillants exploits et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits. Mathieu, parlons maintenant des gardiens de but qui vont s'affronter dans le match d'aujourd'hui. Grand duel à prévoir entre les deux Cerbères. Absolument, mon cher Pascal. Nous allons débuter par le gardien des Foreurs, Jonathan Lemieux, qui en 14 matchs depuis le début des séries a 11 victoires, 2 défaites et 1 revers en prolongation. 1,92 sa moyenne de but alloué, 913 son pourcentage d'arrêt. Et chez les Tigres, on réplique avec Nicolas Hurtubis qui en 15 matchs a 10 victoires, 2 défaites en prolongation, 2,64 moyenne de buts alloués, 901 son pourcentage d'arrêt. Match numéro 6 de la grande finale de la Coupe du Président de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, édition 2021. Les Tigres à un match de mettre la main sur la Coupe.
Les Foreurs font face à l'élimination. S'ils remportent le match de cet après-midi, bien, il y aura un match numéro 7 demain à compter de 14h. Les deux joueurs s'avancent au centre. On est prêt à la rondelle qui est déposée, mise en jeu remportée par les Tigres. C'est La Rochelle qui a la rondelle, remet au centre, on fait dévier derrière la défensive adverse. À la poursuite, c'est Guénette, les Gauthier-Cos qui se font entendre chez les spectateurs. Voilà Ducharme. Ducharme laisse derrière son filet et évite le coup d'épaule d'Eleman, rejoint Guénette. Guénette passe sur sa gauche pour Bernard. Bernard recule à son sac des mises en jeu. Entend le positionnement des siens. Bernard sur sa droite pour Guénette. Guénette vers le centre. Rondelle qui est déviée par Ducharme, mais cueillie immédiatement par Arsenault. Passe devant lui en retrait par la suite pour La Rochelle. La Rochelle s'amène en plein centre. Chez l'ennemi, tire de loin. Arrête du gardien, le retour devant. Arrête de Lemieux. On veut remettre devant la rondelle et tout près du gardien. Oh là là! Qui réussit en prisonner. Oui, Lemieux a été chancelant sur la séquence, Pascal. Moi, si je suis les Tigres, c'est un bombardement en règle en début de rencontre que je tente sur le gardien Lemieux. Je tire de partout. De loin, là, de la part de La Rochelle. Il a utilisé le défenseur comme écran. On a tenté de remettre devant la rondelle qui a glissé au patin du gardien. On n'a pas été en mesure d'enfiler l'aiguille chez les Tigres. On reprend la droite du gardien. Mise en jeu remportée par les Tigres à la ligne 2 du revers. On remet devant, frappé au vol par Daigle. Récupéré par Spence. Spence contourne son filet. Il est sur son revers. Spence amène le disque au centre. Rondelle qui est perdue, mais repris par Poulin. Poulin laisse en retrait pour Villeneuve. Villeneuve du revers pour Spence. Spence laisse derrière lui. On a changé de stratégie du côté des Foreurs pour quitter notre territoire. Là. Voilà Petit sur sa gauche pour Poulin. Il veut remettre devant. Il est stoppé par P.O. Roy. C'est Bocage qui reprend. Derrière lui pour Daigle. Mauvaise réception de rondelle. Sa remise au centre interceptée par Tchaïkovitch. On laisse en retrait. C'est Spence. Spence s'amène dans la ligne rouge. Il va d'un lob derrière la défensive des Tigres. Ça bondit dans le coin. P.O. Roy s'amène. Envoie le long de la rampe pour Bocage. Fait dévier plus loin. Zone centrale. Et c'est repris par les Foreurs. Robida. Il passe à Thomas Petit. Thomas Petit freine dans le coin de son territoire et il décampe, mais il a été bloqué, il réussit à dégager jusqu'en territoire central. Voilà Arsenault dans sa zone. Tente de se défaire de l'égaré. Arsenault vers le centre, c'est bien fait pour Coulombe qui a tenté un tir, mais beau jeu du défenseur Thomas Petit qui a empêché de tirer. C'est un 2 contre 1, le frère. Quelle pour les Tigres. Quelle passe d'Arsenault en sortie de territoire. Arsenault, sa passe qui est interceptée par l'égaré. Intervention d'Urtubis qui retourne le long de la rampe pour Kalmykov dans son territoire pour La Rochelle. Vers le centre, on rejoint Pellerin sur son revers. Pellerin veut revenir d'abord, l'accrocher, il y aura pénalité. Il arrive juste pour suivre la rondelle dans le demi-cercle qui peut balayer. Et là, les Tigres toujours en contrôle. À la ligne bleue, la rondelle qui quitte le territoire, on s'organise chez les Tigres. Un joueur supplémentaire qui est sur la patte noire. Voilà Michaud qui a le disque. C'est bon de revoir Jérémy Michaud sur la glace. Passe qui glisse vers Abramov. Abramov avec un joueur supplémentaire là, sur la patinoire. Abramov est rejoint dans l'aile, mais mauvaise réception. Réussit à pousser pour lui-même. Territoire adverse, mais lorsque Guénette touche au disque, le jeu s'arrête. Avantage numérique, les Tigres. 17-36 à faire à la première période. 0-0 la marque. Dès le départ, les Tigres qui réussissent à battre les Foreurs avec des longues passes dans zone neutre. Et Pellerin qui a coupé au centre. Force le défenseur Bernard à l'accrocher. Et il y aura avantage numérique, les Tigres, un premier dans le match. On s'installe à la droite de Lemieux. Les enjeux remportés par les Foreurs. Villeneuve tente un dégagement. Rondelle qui a été amortie au passage. Dégagement qui est arrêté à la ligne bleue. On retourne la rondelle derrière le filet. Intervention de Lemieux tente lui-même le dégagement. C'est bloqué par Abramov contre son corps. Cherche le disque entre ses patins près de la rampe. Guénette reprend. Guénette envoie derrière son but. C'est Tardy qui s'amène le premier. Tardy envoie le long de la rampe. Les Tigres, là, ils n'ont pas été en mesure de s'installer encore en territoire adverse. On échange la rondelle. Disque est envoyé dans le coin. C'est Tardy qui reprend. On retire le bâton d'Abramov dans le coin. Là. Voilà, il amène. Il laisse. Transversal. Bocage tente un tir. Ça a été bloqué devant lui. Tardy saute sur le retour. Envoie la rondelle dans le coin. Au profit de Element. Bousculé par Guénette. Element pousse du bout du bâton pour Tardy. On laisse glisser. Voilà les Tigres installés. Sivigny devant lui pour Bocage. Il est au cercle droit. Bocage s'avance. Bocage près du filet. Devant. La remise du revers. Il n'y avait personne pour répondre de l'autre côté. Dégagement stoppé par Sivigny à la ligne bleue. Sivigny ramène la rondelle à l'aide de son patin. Passe sur sa droite pour Abramov qui retourne à Sivigny. De l'autre côté pour Bocage. Bocage, Patia s'avance. Tente un. Cherche un angle. Laisse Abramov de l'autre côté pour Bocage. Passe qui est intercepté et dégagement qui est envoyé à l'autre bout. Voilà Sivigny qui reprend la remise de son gardien. On voit le long de la rampe pour La Rochelle. La Rochelle retourne derrière le filet pour Sivigny. 50 secondes à l'avantage numérique des Tigres. Attention, Sivigny va cafouiller avec la rondelle. C'est Poulin qui s'amène dans le coin. Mise en échec. Pelletier maintenant qui veut revenir devant. Contrôle de rondelle. On a gagné quelques secondes chez les Tigres.
Coulombe qui laisse au centre pour Frenette. Frenette longe la ligne bleue. Attire un joueur vers lui. Il veut remettre de l'autre côté, mais c'est Poulin qui s'empare de la rondelle. Poulin veut remettre devant. C'est intercepté. La rondelle qui bondit et tire qui rate tout juste la cible. C'est passé au-dessus de la tête de Urtubiz. Avec 20 secondes à l'avantage numérique des Tigres, là, tente un dégagement au centre, c'est bloqué par Deg. Le temps de s'organiser une dernière lancée chez les Tigres. 15-50 à faire la première. Chez les Tigres, là, dans cette première vague d'avantage numérique. Voilà, P.O. Roy transporte la rondelle, zone adverse, laisse dans l'aile pour Frenette. Frenette laisse coucher le joueur devant lui. Remet P.O. Roy à la pointe. La pénalité qui prend fin. On rejoint Deg. Deg veut remettre devant le filet. La rondelle qui bondit. Coulon, et voilà le but! Olivier Coulon, les Tigres prennent le 1-0. Oh, une rondelle là, qui a été dirigée devant le filet. Le défenseur n'a pas été en mesure de la récupérer. Et en se retournant, le seul dans l'enclave, Olivier Coulombe, pas le gardien. Jonathan Lemieux entre les jambières. Les Tigres prennent les devants 1-0. C'est une rondelle papillon là, qui a bondi sur Pelletier. Elle s'est retrouvée dans l'enclave. Et qui était là? Olivier Coulombe est dans le pas du filet. Il bat le gardien, Jonathan Lemieux. Parce que lorsqu'on a marqué, la pénalité était terminée. On ira voir là, au sommaire officiel le but qui est marqué à 15-35. Il me semble que c'était 37 la pénalité. Ouais, je pense que oui, Pascal. Voilà, c'est fini. Tente une remise vers le centre. Le Fendulaire se reprend. Remet du côté de Pellerin qui envoie à la gauche du gardien. Sortie de Lemieux, tente même de dégagement. Une remise pour Doucet. On perd la rondelle. C'est récupéré par les Tigres. Arsenault, dans sa zone, utilise la rampe pour remettre vers Fournier. Au centre, jeu qui a coupé. C'est Doucet qui envoie le long de la rampe. Et les Tigres reprennent. C'est Vini qui est allé d'une feinte, mais Légaré n'a pas mordu. Pour sa rondelle pour lui-même derrière Arsenault. Arsenault le dévance. C'est Vini qui s'est amené dans le coin, supporté par Kalmykov. La rondelle qui ressort. C'est Vini. Du bout du bâton, rejoint Pellerin. Pellerin arrêté. La rondelle a tout juste quitté le territoire. Ça permet aux Tigres de s'organiser. 5 minutes découlées à la première période. 1-0, les Tigres ont pris les devants. Arsenault derrière son filet. Arsenault. Patient, attend le positionnement de ses coéquipiers. Passage de Tardy, reprend la rondelle, passe à Sévigny. Longue remise au centre pour Frenette, fait dévier derrière Spence qui se retourne et récupère. En retrait, il passe à Villeneuve. Sur sa droite pour Spence, en sortie de territoire, on remet à Duchamp. Duchamp en pleine vitesse pour sa rondelle dans le coin. Intervention de Siciliano. Siciliano qui pousse la rondelle, c'est perdu. Michel, derrière le filet, veut ramener devant, ça a touché l'extérieur du filet. C'est Abramov qui reprend. Il va de faible dégagement jusqu'à territoire adverse. Spence reprend pour chasser par Tardy, avec les freins pour remettre à Villeneuve. Villeneuve s'amène dans l'aile, à la ligne rouge, dégage. Dans le coin, Gaucher s'amène le premier. Gaucher tente une remise derrière le filet pour Michel, installé dans le bureau. Michel laisse à Gaucher. Gaucher applique les freins dans le coin, une belle ouverture. On remet à la pointe pour Guénette, de l'autre côté pour Bernard. Bernard tire de loin, dévié devant le filet, arrêt d'Urtubiz. Michel saute sur le retour, laisse dans l'enclave. Guénette, son lancé, ça a été bloqué par LML. Et voilà, Deck qui transporte la rondelle jusqu'au centre, arrêté par Guénette, revirement. Là. Mais Poulin qui a été bloqué par Michaud à la limite de l'obstruction. Michaud, il va de là vers le centre, ça tombe au pied de Bocage et il rejoint Element qui fait un rejet territoire ennemi. Guénette, mise en échec par Bocage. Dégagement tenté, c'est arrêté à la pointe, porté au roi, remettre devant lui pour Element. Tire vers le filet, ça a été stoppé. C'est repris par Bocage. Bocage, contre remise du revers pour Deg, il a perdu la rondelle et c'est Jacob Petit qui s'amène son adversaire. Harcelé par Roy, il a bifurqué de son couloir et provoque. Le hors-jeu, 13-22 à faire à la première période. On passe une première pause en direct de Québec. Les Tigres ont pris les devants 1-0 sur les Foreurs. Vous écoutez l'Hockey des Tigres, Mazda, Victoriaville. Comment mesure-t-on la puissance d'un moteur? En battement de cœur à la minute. Le Mazda CX-30, offert avec moteur turbo. Bonjour, Desjardins est très fier d'être le partenaire des Tigres pour la saison. OK, on le fait un peu plus naturel, OK? C'est beau. Bonjour, bonjour, bonjour. Parle-nous, mettons, avec un sourire, là. Bonjour, Desjardins est très fier d'être un partenaire des Tigres et vous souhaite un bon match. Bon, ça, c'est bon, Benoît. Hey, good. Oh non, on perd le système d'alimentation. On perd aussi les moteurs. L'appli Helix Fly, ça comprend le contrôle des lumières. Les moteurs sont de retour! Helix, ça comprend tout. De
retour au hockey des Tigres Mazda Victoriaville. On est de retour en direct de Québec. Les Tigres ont pris les devants 1-0 sur les Foreurs. Et on sent les Foreurs chancelants, Mathieu. Ouais, absolument. Les Tigres les ont là, vraiment dans les câbles. Excellent début de match pour la troupe de Karl Mallette. On met beaucoup de pression. Et ce qui est intéressant pour les Tigres, c'est qu'on trouve les façons de sortir la rondelle vite du territoire. Là. Il y a eu des incursions par le centre, comme je n'ai jamais vu dans le début de la série, là, des longues passes transversales. Tu sais, tu m'as mentionné en début de match que les Foreurs ont changé leur style pour entrer en zone des Tigres, mais ça ouvre le centre de la patinoire, à mon avis, pour les Tigres. Très bon point, Mathieu. On va prendre la ligne bleue des Tigres. C'est un jeu remporté par les Félins. C'est Desrochers qui passe devant lui pour Gravel. Vers le centre, passe un peu trop long pour Fournier, ça revient. À la ligne bleue des Tigres, c'est repoussé de Arsenault pour Fournier derrière le filet adverse. Voilà, Picard qui à la rondelle laisse à Bernard derrière le filet pour Alpo. Alpo dans l'aile pour Picard, remise vers le centre pour Lauzon. Lauzon s'amène territoire adverse, traverse la ligne bleue, il va d'un tir de loin. Arrêt d'Ortubiz qui a jeté un regard derrière lui en prison de la rondelle et le jeu s'arrête. 12-50 à faire à la première période. 1-0, les Tigres ont les devants. J'ai hâte de voir plus le match va avancer, mais la stratégie d'utilisation du personnel a changé aussi. Écoute, le Daniel Renault vient d'utiliser son quatrième trio en début de match qu'il n'avait jamais fait depuis le début de la série, au retour d'une pause télévisée. Donc, au moment où ses joueurs sont tous frais et dispo. Ça, j'ai pas vu ça depuis le début de la série. On voit d'ailleurs le troisième trio qui est sur la patinoire de défenseur, là. Alpo et Petit. Voilà, Element qui a la rondelle. Element, on lui fait perdre. Là, c'est récupéré par Doucet. Doucet près de la rampe, tente de remettre à la pointe, mais Element qui vient lui voler la rondelle. En sortie de territoire, Element laisse derrière la défensive. C'est Bocage qui s'amène dans le coin. Tente de se défaire de Villeneuve qui l'amène près de la rampe. Bocage veut pousser la rondelle du patin. Ça reste coincé entre ses deux pieds. Il y a Dell qui tente de lui prêter main forte. C'est repoussé. Element son tir. Un tir surprise qui a raté la cible. Il n'y avait pas beaucoup d'angle. La Rochelle qui reprend. Passe à Element devant lui pour. La Rochelle à la ligne des buts, revient sur ses pas. La Rochelle laisse en contre-courant pour Brocage. Brocage à la ligne 2. La Rochelle tire de loin, s'arrête la cible. Le retour derrière le filet qui est bataillé entre Element et Robida. Voilà Deng qui vient reprendre. Deng laisse dans le coin pour Element. Aux prises avec Thomas Petit. On rejoint Brocage. Brocage derrière le filet pour Element. Element fait circuler le long de la rampe. Pour La Rochelle. La Rochelle, une feinte, pour remettre devant nous. On est en fin de présence chez les Tigres, appelé à notre banc. C'est Villeneuve qui reprend derrière son filet. Villeneuve qui remet dans l'aile pour l'égarer. On dirait qu'il n'a pas été récupéré par le 34 des Foreurs. Attention, Théo Roy qui réussit à se faire de deux adversaires. Et les Tigres se lancent en attaque. À la tardie qui rejette son ennemi. On joue le retardement, annulé avec la sortie d'Abramov. C'était limite. Il avait pu marquer sur cette séquence. On irait sûrement voir à la reprise. Et Bernard qui transporte la rondelle. Il voit quitter son territoire en remettant vers Ducharme. Ducharme se défait de Michaud. Ducharme veut remettre devant dans la mitaine d'Ortubiz qui ferme la porte. 11 minutes 20 au premier 20. 1-0 les Tigres. C'est un tir qui était hors cible à mon avis. Ouais. Mais il y avait des joueurs des Foreurs de l'autre côté. Donc Ortubiz a complètement annulé le jeu. Bonne décision de sa part d'avoir intercepté cette rondelle au vol. On est à 4 tirs au but du côté des Tigres. Il n'y en a que 2 chez les Foreurs. Les Tigres ont les devants. Excellent début de match, je me répète, pour la troupe de Karl Mallette. On s'installe à la droite de Nicolas Dubis. Frenette s'amène à la mise en jeu devant Gaucher. Mise en jeu là, qui bondit vers le gardien. Ceciliano s'en empare. Ceciliano devant lui pour Abramov. À 3 contre 2, les Tigres. Remise dans l'aile pour Frenette. Frenette étire le jeu. Plus remettre pour Tardy. C'était trop long. Abramov qui vient prendre les choses en main vers la rondelle, mais Michaud reprend pour Abramov. Abramov vers le centre pour Frenette. Fait des vues la rondelle derrière la défensive. C'est un dégagement qui est toléré. Intervention de Bernard. Bernard derrière son pied, remet devant pour Ducharme. Implication physique de Tardy qui soutient la rondelle à l'adversaire. Tardy à la ligne bleue. Courte remise devant lui pour Kalmykov. C'était dans les patins. On n'a pas été en mesure de poursuivre cette attaque. Passe au centre pour Michel. Michel s'amène seul de son camp. Applique les freins dans le coin. Apporte des changements chez les Foreurs. Il perd le disque en chutant. Sévigny reprend. Sévigny passe sur sa droite pour Tardy. À la ligne rouge, Tardy rejette la rondelle dans le coin du territoire des Foreurs. Guénette envoie contre la rampe pour Jacob Petit. Sur sa droite pour Samuel Poulain. Une feinte, mais Coulombe n'a pas mordu. Il s'amène dans l'aile. Coulombe, seul de son équipe, tire de loin. Arrêt de Lemieux. La remise était haute. On a un peu jonglé avec une rondelle bondissante tout près de notre gardien. Le jeu coupé encore une fois par les Tigres. Voilà, Deg en territoire adverse. Deg qui veut remettre à Kalmykov, passe qui est intercepté. Et Jacob Petit qui s'amène en attaque, passe sur sa droite pour Kajkovic, tente un tir. Ça a été bloqué par les Tigres. Repli défensif, Deg qui était là en repli.
Remise à la pointe pour Villeneuve. Villeneuve s'avance, fait un lancer. Passe devant lui pour Jacob Petit. Dans l'enclair, Poulin, son tir. Dévie, il se retrouve dans le filet protecteur. Moins de 10 minutes à faire à la première. 9,59 pour être précis. Les Tigres, on est devant 1-0. On va passer une pause. C'est l'heure que les Tigres, Mazda, Victoriaville. On est de retour en direct de Québec. 9,59 à faire à la première période. Les Tigres, on est devant 1-0. Il y a 5 lancés pour les Tigres, 2 pour les Foreurs. On bloque tout chez les Tigres. Comme dans le match de jeudi jusqu'à maintenant, on resserre la défensive autour du gardien Nicolas Dubise lorsqu'on s'installe chez les Foreurs et on fait très bien. À la mise en jeu, il y a Abramov qui s'installe devant Lauzon. On est à la droite du gardien Nicolas Dubise. Enjeu rapporté par les Foreurs. On tente un tir vers le filet. Ça a été bloqué. Voilà les Tigres qui reviennent. Abramov sur sa droite pour Grevel. De l'autre côté pour Fournier. Fournier en prend l'âge. Je vais remettre de l'autre côté. Il y avait hors-jeu. Revirement. C'est Picard qui se mène dans l'aile. Picard tente un tir de loin. Ça dévie sur un patin. Se retrouve dans le filet protecteur. Le jeu s'arrête. 9,44 à faire à la première. 1-0 tir. Encore une fois, tir bloqué par la défensive. C'est Alexis Arsenault qui en a bloqué, lui, des tirs lors des matchs là, ici dans les environnements protégés. Un héros obscur, à mon avis, en défensive pour les Tigres. Il a été très, très solide pour les Félins dans cette finale. À la gauche de Urtubis. C'est un jeu remporté par les Foreurs. On a capté avec la rondelle. C'est ce qui est repris. Ouf, ça a surpris. Oui, ça tendait pas à recevoir la rondelle. Il semblait pas prêt là, non. Sur ce dernier lancé. Dans le coin, 12-7 tente de remettre à la pointe. Intervention d'Element qui retourne en retrait. À La Rochelle. La Rochelle derrière le filet pour Arsenault. Arsenault utilise la rampe pour remettre à Bocage. Bocage, longue passe vers le centre pour Element. C'est sauté au-dessus de son bâton. Dégagement qui est annulé avec l'intervention de Spence. Remise au centre. On a fait dévier au passage. C'est Siciliano qui retourne la rondelle vers le gardien Lemieux. Longue sortie du gardien. Tente un dégagement le long de la rampe. C'est réussi. Repoussé à la ligne bleue des Tigres. Michaud reprend. Passe à Siciliano. Vers le centre pour Bocage. Tente une déviation, mais c'est cueilli plutôt par Spence. Spence rejoint Villeneuve. Villeneuve. À la gauche de son gardien, décante. Ça mène au centre. Villeneuve, il va d'un rejet. À la gauche de Urtubis, c'est repris par Frenette. Laisse derrière son filet pour Michaud. Michaud en retrait. C'est pour Siciliano. 8,45 à faire à la première période. 1-0, les Tigres. Siciliano, match numéro 6 de cette série finale de la Coupe du Président. Rondelle rejetée, un territoire adverse a été coupé par Bernard. Duchamp maintenant. Il quitte sa zone, s'amène à la ligne rouge, envoie dans le coin. Gaucher, premier rendu à la ligne des buts, vraiment devant. Oh! Et voilà le but! Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il faut que ça allait toucher le... faut que ça allait toucher le gardien. On va aller voir à la reprise, ouais. Parce que Mathieu, la rondelle arrivait de derrière le filet. Il faut que ça ait touché Urtubis. Là, on va avoir besoin de la reprise sur cette séquence. Ouais. On va avoir besoin d'une reprise sur cette séquence. Mais peut-être que les Foreurs ont marqué... Ça
Ça a touché le masque de Ortiz, ouais. Mathieu. Ah oui. Un mauvais but accordé. Oh là là. Et c'est un à un. Oui. L'égalité créée. Voyons voir là, comment les Tigres vont réagir parce qu'on était en parfait contrôle de ce match. Et là, un très, très mauvais but vient donner de l'énergie aux Foreurs. On se rappellera, Mathieu, les premiers buts marqués dans cette finale jusqu'à maintenant. C'est pas gage de succès. Non. Voilà, Bernard, contourne son filet pour chasser par Bocage. Là, on sent un peu plus d'aile du côté... Ouais, ça a ravivé le banc, là. Ouais. Beaucoup. Dégagement envoyé en zone adverse. C'est Gallet qui surveille Bocage qui s'amène dans le coin. Bocage le premier rendu à la rondelle. Là, on l'a fait chuter. Et dégagement envoyé au centre, c'est Sivini. Ça revient finalement à Péoroy. Passe vers le centre, tu les arrêtes pour rejoindre Element. Element rejette dans le coin. À la droite du gardien, Jacob Petit en contact avec Deg. Deg tente de reprendre la rondelle. Il y avait plus de pression exercée par Petit. Commencer à porter des changements à la foule sommet de la partie. Jacob Pelletier à la ligne rouge. Remet devant lui. Pour Poulin, c'est passé tout droit. Sévigny reprend. Sévigny dans le coin. Tente de remettre devant, c'est bien fait. Pour Pellerin. Sur sa gauche, pour Coulon. Coulon a marqué le but critique dans ce match-là. Disque envoyé dans le coin, c'est Pellerin. En contact avec Alpo. Pelletier reprend le contrôle de la rondelle. Voilà, Coulon. Balle à pointe pour La Rochelle. La Rochelle tente un faible tir. Défié devant. Filet, arrêt de Lemieux. C'est qui nous semble hors cible d'ici. Voilà, Doucet qui fait de saison. Veut remettre devant lui. On l'a harcelé, empêché de reprendre la rondelle. C'est Kalmykov. Kalmykov hésitant. Passe à Pellerin, c'est bien fait. Pellerin traverse la ligne rouge maintenant à la ligne de adverse. Laisse derrière lui, dépose la rondelle pour La Rochelle. Qui rejette près du filet. Intervention de Lemieux. Dégage lui-même le long de la rampe. C'est Pellerin qui repousse la rondelle. Pellerin, on le rejoint. Tir qui a été défié. Voilà Michaud à la pointe pour Frenette. Disque envoyé dans le coin. C'est Thomas Petit qui s'amène le premier. Dans le coin, il y a Robida. Robida qui quitte sa zone. S'amène au centre, rejette dans le coin. Robida qui glisse finalement vers le gardien. Tu vises, garde les zones. Le jeu s'arrête. 6:45 à faire à la première période. Ben, c'est l'égalité 1-1 entre les Tigres et les Foreurs. Les Tigres, j'ai aimé là, la façon dont on a repris pendant le territoire offensif. Là. Ce qui se passait. Et dans le cas d'Ortubé, c'est un mauvais but, mais un peu malchanceux sur la séquence. Oui, bien, parce que ça, c'est la nouvelle tendance des gardiens de but. On le fait régulièrement. On s'appuie sur notre poteau. Ouais. Puis, on dit à l'attaquant adverse, ça prend le tir parfait pour me battre. C'est ce qui est arrivé. Là, c'est ce qui est arrivé. Dans l'aspect, c'est à la pointe. Son tir bloqué par Tardy. Le retour repris par Gaucher. Gaucher passe à la pointe. Une belle ouverture. Un tir, c'est bloqué par Frenette. Un lancer de Villeneuve. C'est ce qui est envoyé derrière le but. Là. En contact, c'est Sévigny qui est le meilleur. Envoie le long de la rampe pour Frenette. Frenette en sortie de territoire, rejoint Abramov. Sur sa droite pour Tardy. C'est un peu long, ça a été harponné au passage par Villeneuve. Rondelle qui est rachetée derrière le filet. C'est Spence qui envoie le long de la rampe pour Gaucher. Gaucher revient quelque peu sur ses pas pour prendre contrôle. On lui a laissé de l'espace, ça mène au centre. Il jette la rondelle dans le coin. Premier rendu, c'est Michel. Michel qui est capable de reprendre la rondelle devant Siciliano qui l'a fait chuter. On a l'envoyé au centre pour Abramov. Une feinte, on n'a pas mordu. C'est Jacob Petit qui a repris la rondelle. La laisse à Poulin. Poulin revient sur ses pas. Rejoint Jacob Petit en entrée de territoire. Une feinte. Il a été bloqué par Siciliano et Poulin reprend. Poulin veut ramener la rondelle vers le filet. On rejette dans le coin, on repousse dans le coin chez les Tigres. Voilà Bernard. Tire de loin, stoppé devant le filet par Sivigny. On remet dans le coin pour Jacob Petit. Petit derrière le filet pour Michel. À la pointe pour Guénette. Les défenseurs s'approchent. Là. Bernard jongle avec la rondelle. Envoie dans le coin, rejoint Petit. Du revers, devant le filet. Deux lancers bloqués par Sivigny. L'attaque se poursuit. Là. Les Foreurs en contrôle. Territoire des Tigres. Tire de loin. Autre tir bloqué. Ça permet à Tardy de pousser vers le centre. Rejoint Abramov qui y va de dégagement à l'autre bout. Premier rendu, c'est Element qui est demeuré sur la patinoire. Element derrière le filet, entouré de trois adversaires. La rondelle glisse vers Bocage dans l'enclave pour Deg. Son tir dévie dans le filet protecteur. Le jeu s'arrête. 5-15 à faire à la première période. On passe à une pause. C'est 1-1 entre les Tigres et les Foreurs. Match numéro 6 de cette série finale menée 3-2 par les Tigres. Vous écoutez le hockey des Tigres, Mazda, Victoriaville. La presse sinistre, ça vous dit quelque chose? Pour que des milliers de Québécois puissent retrouver la paix d'esprit, Gus inspecte les drains et les remplace pour que tout se passe bien. En pleine croissance, Gus embauche. Visitez gus.ca. Qui dit printemps, dit Kubota. Avec un éventail complet d'équipements et d'accessoires robustes et durables, c'est le temps de se mettre au travail.
Visitez votre concessionnaire Kubota pour les détails. Imbattable, point final. De retour au hockey des Tigres, Mazda Victoriaville. De retour en direct de Québec, c'est 1-1 entre les Foreurs et les Tigres. Et Mathieu, ce premier but n'est pas gage de succès dans cette série-là. En fait, c'est arrivé qu'une seule fois. Ouais. C'est les Foreurs lors du match numéro 2. Ils avaient marqué le premier but et l'ont emporté par la marque de 4-1. Sinon, dans les quatre autres matchs, l'équipe qui a alloué le premier but a fini par remporter le match. C'est ce qui est arrivé dans la victoire du cinquième match. On va voir qu'est-ce qui est le sixième match. Qu'est-ce qui sera du sixième match. Et Mathieu, ce qui me surprend jusqu'à maintenant dans ce match-là, c'est l'aspect défensif des deux équipes. Des équipes considérées comme étant offensives. Mais là, avec quelques minutes à jouer en première période, il y a 8 lancers au total. On bloque énormément de tirs. On est commis là, défensivement pour empêcher les équipes là, de diriger des rondelles au filet. Olivier Coulombe a marqué chez les Tigres. Jacob Gaucher chez les Foreurs. Avec 5 minutes 15 à faire à la première période, on s'installe à la droite de Jonathan Lemieux. Alors, quel gardien sera en mesure de se relever? Oui. Avec très peu de lancers, là, difficile de demeurer concentré, de demeurer aux aguets. 5 minutes 15 à faire à la première. C'est 1-1 la marque. Pellerin est à la mise en jeu devant Robida. D'un côté comme de l'autre, on a utilisé pas mal tout notre personnel là, jusqu'à maintenant. Voilà, on est prêt à reprendre. Les enjeux remportés par les Tigres. Arsenault s'avance. Laisse à la pointe. Un tir de Kalmykov qui n'est pas venu. On tente de remettre devant le filet, c'est raté. La Rochelle qui conserve la rondelle zone adverse, mais on fait dévier sans le vouloir chez les spectateurs. Coup de sifflet de l'arbitre. 5-0-6 à jouer à la première période. C'est 1-1 la marque. Et heureusement qu'il a réussi à toucher cette rondelle, La Rochelle, parce qu'il y avait revirement qui se dessinait pour les Foreurs. Il s'amenait là en surnombre sinon. Enjeux remportés par les Tigres. Arsenault tire dans la ligne bleue. C'est repoussé par Lemieux. Le dégagement qui est envoyé chez les Tigres. Rondelle bondissante, là, drôle de bon. C'est Arsenault qui s'en empare. On remet en retrait pour La Rochelle vers le centre. C'est pour Fournier. Il envoie la rondelle derrière le filet. Spence, pour chasser par un Pellerin, envoie le long de la rampe. Légaré, coincé dans son territoire. On réussit à rejoindre Doucet qui s'amène dans l'aile. Doucet rattrapé par Fournier. Fournier l'amène dans le coin, remet dans la grève. Un tir à vos portables. Belle arrêt de Tubise sur le lancer de Robida. Oh, ça, c'est un bel arrêt, Mathieu. Absolument, il vient de garder les Tigres à égalité 1-1. Alors que Fournier avait fait le beau jeu là, d'amener là, le long de la rampe Doucet, mais il a quand même du revers, est capable de passer cette rondelle entre les deux défenseurs des Tigres. En fait, c'est La Rochelle et Kalmykov qui étaient là. Et Robida après un bon tir sur réception. Bon déplacement de la part d'Urtubé sur la séquence. Oh! 4-39 à faire à la première période. 1-1 la marque. En jeu remporté par les Tigres, c'est Frenette qui a eu le meilleur sur gaucher. Alors, Siciliano qui s'avance au centre. Siciliano. Sa passe interceptée par Ducharme. Ducharme remet devant lui pour gaucher. On repousse les Tigres profondément chez eux. C'est Michaud qui envoie le long de la rampe pour Gravel. Mauvaise réception. Là, Rondelle qui a fait un drôle de bon. Dans le coin, Rondelle qui est perdu. On revient devant le filet. Encore une fois, un tir. Ouais, là, on va tenter ce genre de jeu. Provenait de l'extérieur du filet. Là, ça a dévié devant le but. Le filet tire de loin. Arrêt, le retour. Et Urtubise qui est couché dans son demi-cercle. Et le coup de sifflet qui s'est fait entendre. 4 minutes 10 à faire à la première période. 1-1 la marque. Ça a chauffé, là, sur la dernière séquence en territoire défensif. On voit la reprise ici. Un tir qui a été bloqué devant. Et ensuite, la rondelle qui s'est retrouvée collée là-haut, tout près du casque de Urtubise. Oh là là, je ne suis pas certain qu'il y avait. On a été chanceux. On a sifflé très rapidement du côté de l'officiel. Je pense qu'il voyait la tête là, d'Urtubise aussi, les joueurs, les bâtons tout près. Il a sifflé aussi par précaution. C'était un peu dangereux là, pour Urtubise. 4 minutes 10 à faire à la première période. Là. On sent les Foreurs se mettre dans le match. Le premier but qui a fait du bien. Le premier but qui vient de nulle part comme ça. 1-1 la marque.
Voilà, P.O. Roy derrière son filet. Moins de 4 minutes à faire à la première période. Même s'il n'y a plus de tir au but, on a un excellent match encore une fois. P.O. Roy sur sa droite pour Tardy. Longue remise dans l'aile pour Sévigny qui s'amène en attaque. Sévigny tente de déborder Spence. Amené dans le coin, il est mis en échec. Spence envoie le long de la rampe. Attention, revirement, 3 contre 2. Avec Petit qui s'amène sur l'aile gauche. Laisse derrière, un tir. L'arrêt du gardien, le retour disponible derrière. On tente de surprendre le gardien. 6 tapés devant le filet. Dégagement tenté. Arrêté à la pointe par Bernard. Le long de la bleue pour Spence. Devant lui pour Jacob Petit. À la pointe, Spence. Et le Dieu qui est intercepté à la ligne. On va tenter de s'échapper chez les tirs. Abramov seul devant le gardien. Abramov, on l'a accroché. Il y aura tir de pénalité, Mathieu. Tir de pénalité, voilà. Wow! En sixième match de la finale de la Coupe du Président, tir de pénalité à Abramov qui pourrait permettre au Tigre de reprendre les devants. Ouais, ça ne faisait pas de doute. 3 minutes 15 à faire à la première période. Abramov aura tout son temps. Tirer, déjouer. Abramov s'installe, le capitaine. Ça repose sur ses épaules cette première période. 3 minutes. Et les joueurs des Tigres qui se tiennent. Maxime Delmisson ne regarde même pas. Voilà Abramov. Ça avance. Vitesse moyenne devant le gardien. Abramov, une feinte. Sortir. Et voilà le but. Wow! Quel but! Mikhail Abramov, capitaine, qui permet aux Tigres de prendre les devants 2-1. Il a complètement déculotté le gardien Jonathan Lemieux. Et les Tigres, après avoir raté 3 échappées dans le match de jeudi, cette fois-ci, le capitaine ne rate pas sa chance. Et les Tigres reprennent les devants, c'est 2-1. Du côté du Père des Foreurs, on est en furie parce que... Est-ce que c'était bel et bien mérité, cette pénalité? Ben, dans un match de saison régulière, ils n'ont aucun doute. Mais il a empêché, il a donné un coup de bâton sur les mains à Abramov. Moi, c'est là que je te dis que c'est mérité. Abramov ne va plus rien faire. Il lui a enlevé la rondelle en lui a donnant un coup de bâton sur les gants. Et ça, c'est le règlement, c'est une punition. Voilà la Rochelle, de son territoire, remet vers le centre pour Bocage. Bocage, laisse dans l'aile. C'est un peu long pour Deck qui attend au rebond. Il rejette plus loin dans le coin. Guenette s'amène le premier. Remise derrière le filet, c'est raté par Thomas Pelletier. Ça glisse vers Doucet. On retourne en retrait pour Thomas Pelletier. Devant lui pour Doucet. Doucet s'amène chez Elétique pour sa rondelle d'outre main. Il a été bloqué par la Rochelle. C'est disponible pour Arsenault. Fait glisser de long de la rampe pour... Element tentait de faire des passes de plus loin. 10 qui est perdu, là. Chance de marquer pour les Foreurs. Un tir qui rate la cible. Urtubi s'était compromis sur sa droite. On a tenté de tirer à gauche. Et dégagement qui est envoyé jusqu'en zone adverse. C'est Thomas Petit. Il laisse à contre-courant vers le centre. Guenette fait circuler derrière le filet des Tigres. 2 minutes 30 à faire à la première. Les Tigres, on est devant 2-1. Voilà Arsenault. Garde à son filet, là. Une drôle de remise qui est repris au final par P.O. Roy. P.O. Roy, là, entouré de 3 adversaires. Et c'est Bocage qui réussit à reprendre. Bocage soulève une passe pour Kalmika. Vient récupérer la rondelle à la ligne des buts. Dans le coin, changement apporté chez les Tigres. Mise en échec par Spence. Spence, on n'a pas confirmé le but marqué sans aide par Mikhail Abramov. Voilà, Spence s'amène au centre. Traverse la ligne rouge, passe sur sa gauche pour Duchamp. Duchamp, en entrée de territoire, tente un tir, ça rate la cible, ça a dévié. Michel reprend, remonte à la ligne bleue, tente un tir, c'est bloqué par Kalmikov, qui laisse la rondelle à Pellerin. Ça mène sur l'aile gauche. Pellerin laisse derrière pour Coulombe. Coulombe, son tir, il rate la cible à la droite du gardien et la rondelle qui quitte le territoire des Foreurs. C'est Roy qui reprend sa ligne bleue. Remet à l'autre ligne bleue pour Coulombe qui rejette derrière le filet du gardien Jonathan Lemieux. 1:35 à faire à la première période. 2-1 les Tigres. Voilà Poulin, arrive à la ligne rouge, rejette une rondelle près du gardien Urtubis qui emprisonne, coup de sifflet de l'arbitre. 1:29 à faire au premier 20. 2-1 les Tigres. On va reprendre en zone défensive avec 1:29 à faire. On est à 7-7 au chapitre des tirs au but. Quelle première période dans le ventre, Pascal. Dans un match comme ça, un match ultime, il peut se passer un petit peu de tout. Là. Et c'est absolument, ce match-là. Toutes sortes de saveurs. Va se terminer à la toute fin. Voilà, Jacob Petit passe sur sa droite pour Guénette devant lui. Et Foreur installant territoire des Tigres. Poulin à la pointe. Guénette tire de loin. Ça a été bloqué par son propre coéquipier, Kalkovic. Et c'est Frenette qui est rejoint. Rondelle libre au centre jusqu'à l'intervention de Bernard. Bernard à sa ligne bleue passe sur sa droite pour Guénette. Guénette de la ligne rouge, rejette, mais immédiatement, c'est stoppé par Sévigny qui utilise la rampe pour rejoindre Tardy. Tardy passe en rondelle derrière le défenseur Guénette, mais on a
Guénette a bien fait, là. Réussi à reprendre la rondelle, la repousser plus loin. Poulain en entrée de territoire. Passe sur sa droite. Pour Jankovic. Tire dans le Oh, quel arrêt! Un petit bijou de la part de Hurtubis. Wow! Oh, c'était 2-2, Mathieu, ce match-là. Mais Hurtubis qui ferme la porte. Tardy. On envoie à la pointe. Là, c'est intercepté par Dieg qui quitte sa zone. À la ligne rouge pour sa rondelle derrière la défensive. 35 secondes à faire à la première période. Hâte de voir la reprise de cet arrêt-là à bout portant. Hurtubis s'est compromis sur sa gauche et revenu sur sa droite pour faire un petit bijou, un petit miracle de la part du gardien des Tigres. Pendant ce temps-là, les Foras s'amènent chez les Tigres. Légaré, une feinte devant le défenseur. L'amène près de la rampe. On lui fait perdre la rondelle. Récupérée par Element. Essuie coup d'épaule, rejette au centre. Retournée derrière la défensive des Tigres, cette rondelle. La Rochelle avec 10 secondes à faire. La Rochelle envoie le long de la rampe pour Element. Peut-être le temps d'une dernière poussée avec 9 secondes. Voilà Element. Ça mène zone adverse. Tente un tir de loin. C'est dévié sur un défenseur. Les Foreurs et ça se retrouve dans le filet protecteur avec 4 secondes. Les Tigres vont profiter d'une mise en jeu. Oui. Zone adverse. C'est intéressant et on va voir la reprise de la dernière entrée de territoire. Long tir, arrêt et au retour. Oh, il a sorti la jambière là, à la toute dernière seconde pour priver Pelletier d'un but. Et pour gagner des matchs en série, Mathieu, ça prend des petits détails comme ça. Abramov à la droite de Lemieux. On chasse Abramov de la mise en jeu et les mains s'avancent. Derrière lui, Bocage. Element. À la mise en jeu devant Gaucher. Gaucher qui se couche sur cette rondelle. En fait, que Glissier est en moins dans le coin, mais il n'y avait pas de chance de tir chez les Tigres. Et la première période qui prend fin avec une avance de 2-1 des Tigres après 20 minutes de jeu sur les Foreurs de Val-d'Or. Mathieu, allons-y avec le sommaire de cette première période. Tout à fait, mon cher Pascal. Ce sont les Tigres qui prenaient les devants au cours de cet engagement, assez rapidement même dans la période, par l'entremise d'Olivier Coulombe. Coulombe qui venait marquer son quatrième but des séries. Nicolas Daigle et P.O. Roy ont obtenu des mentions d'aide sur ce but marqué à 4 minutes 25 secondes. Donc, très d'égalité sur un but chanceux du côté des Foreurs. Jacob Gaucher marque son deuxième des séries de Justin Ducharme et de Xavier Bernard en 11 minutes 35 secondes. Mais les Tigres récidivent et reprennent les devants à 16-45 sur un tir de punition. Mikhaïl Abramov, le capitaine, marque son cinquième des séries. Pointage 2-1, les Tigres. Après 20 minutes de jeu, les Foreurs ont quand même eu les devants 9-7 au chapitre des tirs au but. Et peut-être au niveau des tirs dangereux, Mathieu, j'ai l'impression qu'il y a un avantage aussi On est à 5 du côté des Foreurs, 4 du côté des Tigres. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. On passe à l'entraque. On vous revient dans quelques minutes. 2-1, les Tigres ont les devants après 20 minutes de jeu sur les Foreurs de Val-d'Or. C'est le match numéro 6 de la finale de la Coupe du président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Tigres dans la série sont en avance 3-2. Tenter de mettre la main sur la Coupe. Et de l'autre côté des Foreurs, on va tenter de provoquer la présentation d'un septième match. Du côté des Tigres, la marque après une
On est de retour en direct de Québec. C'est le match numéro 6 de la grande série finale de la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. Les Tigres, on est devant 2-1 après 20 minutes de jeu. Et Mathieu, c'était seulement la quatrième fois de l'histoire de la Ligue d'hockey junior majeure du Québec qu'on assistait à un tir de pénalité en grande finale. La première fois, c'est arrivé en 2009. Philippe Paradis devant Marco Cousineau. Marco Cousineau avait fait l'arrêt. Et Jacob Gervais-Chouinard qui avait accordé un but, lui, devant Charlie Coyle des Sea Dogs de Saint John. Alexandre Rangé qui n'avait pas été en mesure de battre Antoine Bibeau en 2014. Et aujourd'hui, 5 juin 2021, c'est dans les annales de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Un but marqué en tir de pénalité en grande finale. Wow! Et pas par n'importe qui, par le capitaine Mikhail Abramov. Lui qui n'avait pas marqué depuis le début de cette grande finale, a marqué son 5e sur ce tir de pénalité. D'ailleurs, parlant du 5 juin, il y a un an jour pour jour, P.O. Roy était repêché en première ronde par les Tigres. Un an plus tard, jour pour jour, il se retrouve sur la patinoire, sur la première paire de défenseurs en grande finale de la Ligue. Ça, c'est pas arrivé souvent, j'en suis persuadé. De toute beauté. Ouais. Alors, les joueurs se sont réunis à leur ligne bleue respective. On se prépare à amorcer la deuxième période. Daigle s'avance devant Gaucher. En plein centre de la patinoire. Rondelle qui est déposée, mise en jeu remportée par les Foreurs. Voilà Spence dans son territoire. Passe sur sa gauche pour Villeneuve. Villeneuve décampe, laisse en retrait pour Spence. Spence arrive à sa ligne bleue, maintenant au centre de la patinoire. Du revers, il va d'un rejet. Derrière la défensive, des tirs. Arsenault est premier rendu au disque. Passe à Bocage. Bocage va d'un lob vers le centre. C'est repris par Element, mais non, il a été mis en échec. Il n'est pas été en mesure de prendre contrôle. Voilà Ducharme de la ligne rouge. Traverse la ligne bleue. Ça mène chez les Tigres. Ducharme rattrapé par Bocage. Lui soutire la rondelle. C'est Element qui reprend. Passe sur sa droite pour Degg. C'est un peu long. Villeneuve reprend. Villeneuve au cercle à la gauche de son gardien. S'avance quelque peu. Passe sur sa droite pour Spence. Spence va de dégagement. Là, c'est un dégagement qui sera refusé. On doit garder les mêmes éléments sur la patinoire du côté des Foreurs. 19-15 à faire à la deuxième période. 2-1 les Tigres. C'est une grosse période pour les Tigres. Tu sais, je t'en ai parlé jeudi, Pascal. La fameuse deuxième période qui a été la plus difficile pour les Tigres au cours de cette série finale. Ils ont les devants 2-1 cependant. Souvent, on se présentait dans cette période avec un retard. Là, les Tigres sont en avance quand même. À la droite de Lemieux. Abramov à la mise en jeu devant Gaucher. C'est remporté par les Tigres. Frenette laisse à la pointe pour Sévigny. Sévigny le long de la rampe derrière le filet pour Frenette. Surveillé par Villeneuve. Il n'est pas être en mesure de prendre contrôle. Abramov laisse glisser derrière le filet. C'est Gaucher qui s'échange avec le défenseur. Là, on s'est moqué de Abramov derrière le filet. Voilà, Spence arrive au centre. Du revers, envoie sans le vouloir au bas de son équipe. Le jeu s'arrête à nouveau. 18-54 à faire à la deuxième période. 2-1 les Tigres. Tigres en avant après cette période. C'est seulement la deuxième fois là, depuis le début de la série finale que les Tigres sont en avant après 20 minutes de jeu. L'autre fois, c'était mardi dernier, 9-0. Mais attention, en deuxième période, les Foreurs avaient marqué 3 buts sans riposte. Ils avaient finalement gagné le match 4-1. Une minute découlée à cette deuxième période. Foreurs tente de s'organiser. Remise de Guénette au centre pour Jacob Petit. Belle fête en entrée de territoire. Laisse derrière Djakovic. Son tir. Arrêt de Hurtubise. La rondelle qui est balayée, récupérée par Poulin. Poulin tente une courte remise. Ça a été bloqué par Frenette, mais c'est repris par Djakovic. S'amène dans l'aile. Veut remettre devant. Passe coupée par Sévigny, mais le retour repris par Poulin. Veut remettre devant le filet. Sévigny repousse le disque plus loin. Bataille avec Poulin et Abramov. Poulin reprend, mais Petit là, qui par la rondelle devant Frenette. Beau jeu défensif du 61 des Tigres. Rappelé pour un changement, on a repoussé les Foreurs chez eux. Longue remise de Jacob Pelletier. Retourne à Poulin, arrêtant en entrée de territoire. Sévigny à la rondelle. Passe sur sa droite pour Kalmykov. Une belle feinte. Ça mène chez l'adversaire. A été ralenti par Bernard. Là, c'est une belle poussée qui s'annonçait. Tardy reprend la rondelle dans le coin. Intervention de Pelletier. On envoie le long de la rampe. Un peu d'hésitation pour Arsenault qui perd la rondelle. Rondelle qui le diriger vers le territoire des Tigres, mais La Rochette vient reprendre devant Poulin.
Voilà La Rochelle. On passe au centre pour Kalmykov. On fait dévier vers le gardien adverse. Intervention de Lemieux en prison. La rondelle, le jeu s'arrête. 17-44 à jouer à la deuxième période. 2-1 les Tigres. Quelques instants, Kalmykov a failli profiter d'un revirement lorsqu'il s'est amené territoire. Heureusement qu'il a été ralenti, qu'il a perdu pied parce qu'il y avait 2-1, voire même 3-1 pour les Tigres. Il va avoir un solide coup d'épaule là, sur La Rochelle. Robitaille cherche la mise en jeu. Desgarry vient prendre la place. On est devant Pellerin à la gauche de Jonathan Lemieux, territoire des Foreurs. Pellerin remporte la mise en jeu, mais ça glisse là. Il s'est repris par Doucet. Il réussit à envoyer la rondelle à l'extérieur de son territoire. Coulombe au centre. Retourne le disque derrière le filet de Lemieux. Intervention du gardien qui laisse à Alpo. Alpo derrière son filet. Il jette quelque peu. Passe sur sa gauche pour Thomas Pelletier. Derrière pour Alpo. Alpo derrière son filet pour chasser par Pellerin. Il décide de s'avancer. Alpo vers le centre pour l'égaré. Intervention de Coulombe qui retarde la sortie des Foreurs. Voilà Pelletier. Ça mène au centre, passe devant lui pour Doucet sur le flanc droit. Doucet, amené dans le coin par Sévigny, lui voit la rondelle, c'est récupéré par les Tigres, on dégage au centre. Pelletier vient reprendre dans sa zone. Pelletier de revers, va mettre de l'autre côté pour Spence, cafouille avec la rondelle, mais c'est rejeté au centre. C'est Michaud qui reprend. Pour LNM, son dégagement arrêté, mais c'est récupéré par Coulombe, ça mène en attaque. Coulombe, son tir, rate complètement la cible. De l'autre côté, Michaud conserve son ennemi. Utilise la rampe pour rejoindre Coulombe. Coulombe veut remettre devant dans les patins de Thomas Pelletier. Coulombe tente de reprendre. Emprisonné près de la rampe, projeté sur la patinoire, c'est Spence qui récupère. Spence applique les freins derrière son gardien, ressort à gauche. Courte remise pour Robida. Robida s'amène au centre. Robida à la ligne rouge, rejette la rondelle dans le coin, chez les Tigres. Intervention de La Rochelle, la rondelle est demeurée libre. Heureusement, c'est Bocage qui saute dessus, mais dégagement de Bocage complètement raté. On remet près du filet pour Robida. Tenter de recevoir la rondelle avec son patin, c'est raté. Voilà Element qui reprend. Element tente une longue passe. Ça a été bloqué à la ligne bleue des Foreurs. Là, il y a Deg qui était retenu derrière, a renversé son adversaire, on réclamait une pénalité. Voilà Element qui laisse à Bocage. Bocage s'amène dans l'aile. Bocage tente de revenir vers le filet du revers, mais beau travail de Guenet qui est venu le stopper. Disque qui est envoyé à la ligne bleue des Tigres, c'est repris par Arsenault. Une remise trop longue devant lui. Et on se retrouve avec une rondelle libre chez les Tigres. Element en entrée de territoire, repoussé à l'extérieur de la zone des Foreurs. Bataille avec Zachary Michaud. Belle bondissante qui est rejetée chez les Tigres, s'allonge la rampe. Michaud vient s'en emparer. Michaud mise en échec solidement par Picard. C'est Arsenault qui reprend. Courte passe pour Deg. Deg va d'un simple lob jusqu'au centre. Bernard, à sa ligne bleue, recule dans son territoire. Bernard sur sa droite pour Guenette. Guenette dans l'aile, dans les patins du charme. Mise en échec par Element dans la tête de territoire. C'est Arsenault qui laisse derrière pour Michaud. Pour Pellerin, doit faire vite pour remettre à Gravel. Mise en échec devant le banc des Foreurs, ça permet à Duchamp de reprendre. C'est lui qui a appliqué le coup d'épaule. 15 minutes et des poussières à faire à la deuxième période. 2 à 1, les tirs, on est devant. Voilà Bernard, belle remise. Appel vitesse, c'est Michel qui s'avance. Son tir est rattrapé. La rondelle qui apparaît devant, c'est balayé par Gravel. Michel derrière le filet, rate le 10. La rondelle est libre, il longe la rampe. C'est Element qui s'en empare. Element, il va de dégagement à l'autre bout. Ça touche un bâton devant lui. Gravel qui tente un tir vers le filet. Ça rate complètement la cible. Et c'est laissé libre jusqu'à l'intervention de Michel qui dégage au centre, mais Pellerin intervient sur la remise de Sivigny. Retourné derrière le filet de Lemieux qui rate la rondelle. Drôle de bord, c'est Frenette qui reprend. Remet dans l'enclave pour Abramov, le fendulaire. Tente de reprendre la rondelle. La rondelle amenée contre la rampe par Poulin. Reçoit un double échec de la part de Thomas Pelletier. 14-30 à faire à la deuxième période. Le jeu se poursuit. Donc remise au centre, on rejoint Poulin. Poulin remet à Bernard. Attend le rebond contre la rampe. S'avance et dégage. Sévigny derrière le but. Sévigny reste derrière lui pour Roy. Roy la rondelle là tout près de lui, tente de repousser plus loin. La vol à Poulin qui est venu reprendre. Voilà, en sortie, c'est Tardy qui laisse à Frenette. Frenette envoie dans le coin. Tardy qui s'amène, tente de tirer, mais le défenseur l'a devancé. Je crois que c'est Villeneuve. Ouais. Voilà, Jacob Petit qui laisse en retrait pour Spence. Spence applique les freins derrière son filet. Ressort à droite de son gardien, passe à Tchaikovic vers le centre. Jeu qui est intercepté. On tentait la bombe vers Jacob Pelletier. Au centre, contact entre Spence et Tardy. Les Foreurs reprennent. Là. Ça mène en attaque. On laisse à Villeneuve à la ligne des buts. Devant le filet, c'est coupé par Sévigny. Tire du revers. Ça dévie dans le coin. On s'en tire chez les Tigres. Voilà, Roy derrière son filet. Laisse Abramov. Abramov remise devant lui pour Tardy. 3 contre 2. 3 contre 2 les Tigres. Tardy s'amène à la ligne bleue. Tardy tente un tir. Ça dévie. Se retrouve dans le filet protecteur. Le jeu s'arrête.
13-26 à faire à la deuxième période. 2-1, les Tigres mènent sur les Foreurs. En direct de Québec, c'est l'Hockey des Tigres, Mazda Victoriaville. Chez Mazda, depuis 100 ans, c'est vous qui nous inspirez à aller toujours plus loin. Le Mazda CX-5. Nous vous transportons, vous nous propulsez. Bonjour, Desjardins est très fier d'être le partenaire des Tigres pour la saison. OK, c'est ça. On le fait un peu plus naturel, OK? C'est beau. Bonjour. Parle-nous, mettons, avec un sourire, là. Bonjour. Desjardins est très fier d'être un partenaire des Tigres et vous souhaite un bon match. Bon, ça, c'est bon, Benoît. Hey, good. Qui dit printemps, dit Kubota. Avec un éventail complet d'équipements et d'accessoires robustes et durables, c'est le temps de se mettre au travail. Visitez votre concessionnaire Kubota pour les détails. Mazda Victoriaville. On est de retour en direct de Québec. Les Tigres ont les devants 2-1 sur les Foreurs. On se rappellera, Mathieu, que cette deuxième, tu l'as mentionné un peu plus tôt dans le reportage, deuxième période, toujours un peu plus difficile pour les Tigres. Jusqu'à maintenant, on s'en sort très bien. On s'en sort bien, mais il faut faire attention là, à des longues présences et à être pris à contrepartie, à contre-pied. Les Foreurs là, traînent beaucoup à la ligne bleue, particulièrement en deuxième période. On va reprendre à la gauche de Jonathan Lemieux. 13-26 quand on va faire à la deuxième. 2 à l'été. Closons la mise en jeu devant vos cages. Mise en jeu remportée par les Foreurs. On vient l'envoyer le long de la rampe. Cueilli par Légaré. Légaré. On passe au centre pour Doucet. Possible de contre Doucet. Une belle fin dans l'enclave sur son revers. Peut remettre de l'autre côté pour Lauzon, mais ça a été défié. Ça bondit dans le coin. Lauzon reprend derrière le filet. Rondelle qui est libre sur l'intervention de Doucet. Je veux remettre devant un tir qui n'est jamais venu. Il y a un lancé de balle courée. Qu'est-ce qu'on vient de rater comme chance? Doucet vient de rater un filet complètement ouvert. Attention, l'attaque se poursuit. Là. Les Foreurs menacent. Remise à la pointe pour Spence. Spence devant lui pour Doucet. À la pointe, Spence. Ça frappe. Touche de poteau à la droite de Hurtubise. Spence qui retourne la rondelle derrière le filet des Tigres. C'est récupéré par La Rochelle. La Rochelle va de dégagement jusqu'à l'autre bout. Ça sera refusé au Tigre. 12-41 à faire à la deuxième période. 2-1 les Tigres et les Foreurs qui ont menacé dans la dernière séquence. Absolument. Deux chances en or. Tout d'abord, Doucet à l'embouchure du filet qui rate la cible et c'est suivi d'un poteau de Jordan Spence. Là, les Tigres sont en problème en zone défensive et on est prêt avec des joueurs fatigués dans la mêlée. La mise en jeu rapportée par les Foreurs. Duchamp capouille avec la rondelle, s'inquiète le territoire, revient à sa ligne bleue. Duchamp recule devant son gardien. On peut apporter des changements chez les Tigres. Voilà Bernard. Passe dans l'aide pour Ducharme. Ralentit quelque peu au centre. Refait la rondelle à Michel. Devant le filet, Ducharme date la déviation. Coulombe reprend, il laisse à Daigle. Daigle seul de son camp. Arrive à la ligne rouge. Veut rejeter son adverse. Il a été bloqué par Thomas Pelletier. Qui dégage. Un dégagement qui sera refusé au Foreurs. Ça permettra aux Tigres de compléter les changements. Arsenault était là depuis un long moment notamment. On s'en est sorti sur la dernière séquence du côté des Tigres. 12 minutes 12 à faire à la deuxième. 2-1 les Tigres. Et ça prend des petits détails, Mathieu, pour gagner des matchs dans la finale. Et là, on vient d'en voir un poteau, un tir raté. Absolument. Du côté des Tigres, on a eu une échappée. Jusqu'à c'est un excellent point que tu mentionnes. La ligne est très, très mince entre la victoire et la défaite. Les dieux du hockey sont du côté des Tigres dans ce match-là jusqu'à maintenant. 12 minutes, 12 à faire à la deuxième. Les enjeux remportés par les Tigres. Ils jouent à la pointe, tirent de loin, devant le filet. La rondelle qui bondit dans l'enclave. On n'est pas en mesure de repousser. Rondelle sautillante. Bernard derrière son filet, rejoint Gaucher. Gaucher, l'unique marqueur des Foreurs jusqu'à maintenant. Laisse à Duchamp. Duchamp traverse sa ligne rouge. Envoie la rondelle près du gardien. Leur subise, mais derrière le filet, c'est Gaucher qui tente de surprendre le gardien. On veut remettre devant. Ça s'est logé sur l'extérieur du filet. Voilà le coup de sifflet qui se fait entendre avec 11-51 à jouer. À la deuxième période. 2-1 les Tigres. C'est pas insistant sur la dernière séquence du côté des Foreurs. Voilà
reprise de la rondelle qui était prise là, le long de la jambière de Nicolas Hurtubise. Ouais. La rondelle qui est au final emprisonnée là, ouais, contre le filet, le bloqueur de Hurtubise. 51 à part à la deuxième. 2-1 les tirs. Frenette à la mise en jeu devant Poulin. C'est remporté par Létique. Poulin a tenté de reprendre derrière le joueur de centre. C'est raté. Sévigny laisse derrière pour Péoroy. On s'emmène avec pression. Péoroy réussit à remettre vers Sévigny. Sévigny au centre pour Element. Element rejette dans le coin. On avait freiné à la ligne bleue par contre chez Létique. À la guenette derrière son filet. Longue remise vers le centre. Il rejoint Poulin. Poulin en entrée de territoire. Refile de l'autre côté. Un tir dévié. Bloqué devant le filet par la suite. À la pointe. C'est Guenette qui rejoint. De l'autre côté, Villeneuve s'avance. Villeneuve, une feinte, son lancé. Bloqué devant le filet. Tente de reprendre le retour. Remet Pétier. Jacob Pétier, son tir. Ça rate la cible. Villeneuve reprend. Tire de loin. Dévié dans le coin. C'est récupéré par Tchaïkovitch. 10 qui est remis plus loin. Intervention de Element. Mais la sortie de territoire là, de Kalmykov qui est arrêtée. Passe qui est interceptée par Sévigny. Kalmykov en retrait pour Roy. Pour Sévigny, on est insistant chez les Foreurs, là. Et si on s'en charge chez les Tigres, ça peut provoquer des surnombres. Remise dans l'aile pour Kalmykov. Attrapé par Guenette. Kalmykov garde la rondelle près de lui. Changement apporté chez les Tigres. Guenette reprend. Pour Spence, dans l'aile. Spence à la ligne rouge, envoie le long de la rampe. Arsenault tente de faire des vies plus loin. Ça rejoint Gravel. Courte remise pour Fournier. Fournier, du centre de la patinoire, envoie la rondelle dans le coin. La pèlerin à la poursuite qui a été arrêté à la ligne bleue. Fournier tente de reprendre dans le coin. C'est récupéré par les Foreurs. Robida a sorti de territoire, harcelé par Pellerin. Réussit à rejoindre Légaré qui s'amène sur la droite. Voilà Légaré. Légaré au cercle. Son tir. Arrêt de Hurtubise. Le retour de l'autre côté. Repoussé par Robida. Mais ça a raté la cible. Voilà Gravel qui reprend au centre de la patinoire. Gravel du revers. Envoie dans le coin. Il y a Pellerin qui avait une longueur d'avance sur Thomas Pelletier. Point sa rondelle entre ses patins derrière le filet. Pellerin laisse de l'autre côté, mais il y a Tardy qui était en position défensive. Là, on n'a pas été en mesure d'aller rejoindre cette rondelle. Longue passe au centre. C'est bloqué par Desrochers qui prend la rondelle. Devant Légaré. Légaré s'amène à un contre un. Devant Michaud, on lui fait perdre le 10. Michaud reprend. On va contre la rampe. Un rebond peu favorable pour l'éthique. C'est Doucet qui le pousse plus loin. Voilà Michaud derrière le filet. On fait circuler le long de la rampe. C'est repris par Guenette. Tire de loin et on fait dévier. S'arrête à la gauche du gardien. On est en problème chez l'éthique. Guenette à la pointe. Guenette devant lui pour Robida. Robida fait une chute. Il y aura pénalité au tigre. C'est Pellerin qui sera chassé. Un premier avantage numérique dans le match pour les Foreurs avec 9.39 à faire à la deuxième période. C'est 2-1 les Tigres en direct de Québec. C'est l'hockey des Tigres Mazda Victoriaville. De retour en direct de Québec, 9-39 à faire à la deuxième période. Avantage numérique, les Foreurs un premier dans le match. Et ils menacent depuis le début de la deuxième période. Absolument, c'est une grosse mission d'infériorité numérique pour les Tigres. Ils ont raté beaucoup de chance. On va reprendre à la droite de Hurtubise. Frenette à la mise en jeu devant Poulin. Poulin est chassé du cercle. C'est Pelletier qui s'amène, Jacob Pelletier.
C'est un jeu remporté par les Foreurs. Spence à la pointe, le mettre devant lui pour Poulin. Poulin. Il y a de la rampe, s'avance à la ligne des buts. Poulin est dans le coin, on lui fait perdre la rondelle. Belle bataille dans le coin de la patinoire pour reprendre contrôle. C'est Michaud qui la coince contre la rampe. Voilà, c'est Vinny qui reprend à nouveau la coince contre la rampe. C'est repris par les Foreurs. À la pointe, c'est Spence. Spence, d'un pivot, se défait de Frenette, s'avance. Au cercle droit, remet à la pointe à Jacob Petit. Voilà, les Foreurs bien installés en territoire des Tigres. Tchaïkovic avance quelques pas au cercle gauche. Passe à la pointe pour Spence. Pour Petit. Tire frappé qui rate la cible. La rondelle longe la rampe, repris par Spence à la ligne bleue. Remet devant lui, ça glisse dans le coin pour Poulin. Protège la rondelle devant l'arrivée de Sévigny. Jeu qui est intercepté, mais on est incapable de dégager chez les Tigres. Tchaïkovic laisse à Petit. Près du filet. Un tir qu'on voulait dévier. C'est arrêté par Urtubiz. Spence à la pointe. Feinte un lancé. Se ravise sur sa gauche pour Jacob Petit. Attendu par Frenette. Petit revient à la ligne bleue. Permutation de position. Petit tire de loin. Dévié devant par Poulin. Ça rate la cible. Derrière le but. Poulin protège bien la rondelle. Reprise avec Sévigny. Sévigny qui voit la rondelle libre. Attention Poulin. Il revient devant dans l'enclave. Tire à tête. Et arrêt de Urtubiz sur le lancé de Spence. Il y a un peu de dispute après le coup de sifflet là. On sent la frustration s'installer tranquillement. Côté des Foreurs, est-ce tir raté qui aurait pu causer beaucoup de mal à Nicolas Urtubiz? Mais il a réussi à mettre la mitaine sur cette rondelle. Oui, parce que des fois, t'as mieux avoir le tir franc que le tir raté. Là. Exactement. Partiellement raté. On va revoir la reprise. Je suis pas sûr que Spence voulait faire ce genre de lancer. Là. Un tir papillon. Quel arrêt d'Urtubiz qui, lui, dans son déplacement, continue à glisser. Il a sorti la mitaine. On reprend la droite du gardien des Tigres. Mise en jeu remportée par les Foreurs. C'est Guenette qui a la rondelle. Le long de la bleue pour Michel. Michel envoie dans le coin, à la gauche du gardien, pour Robida. Robida, projeté contre la patinoire, réussit à garder contrôle près de lui. Duchamp maintenant, dégagement tenté, arrêté par Guenette à la pointe. Guenette devant lui pour Robida, à la pointe pour Guenette. Tire du poignet, c'est bloqué devant le filet. Et c'est Element qui s'empare de la rondelle. Element arrive à la ligne rouge, dégage pour lui-même devant Guenette. Voilà Element qui gagne des secondes dans le coin. Il est frappé par Michel, fait une chute. La contre-attaque des Foreurs s'amène. Voilà l'entrée de territoire. Remise vers Guenette, c'est dans les patins. Guenette ne peut continuer cette attaque. Rondelle libre, remis devant le filet. C'est Pierrot qui tente le dégagement. Ça va coincé chez les Tigres. Robida reprend la pénalité qui prend fin. Près de la rampe, gaucher. Envoie dans le coin pour Robida. Robida remonte quelque peu. On revient avec notre première unité là, chez les Foreurs. Remise à la pointe pour Duchamp. Un tir qui dévie dans le filet protecteur. Avec 7-26 à faire à la deuxième période. Les Tigres mènent toujours 2-1. On s'en est tiré. On s'en est tiré. Pascal, le désavantage vient que les Tigres ont quand même fait du bon boulot dans cette série. Parce qu'avant que les séries commencent, on était à près de 30% d'efficacité en avantage numérique chez les Foreurs. Là, on est rendu à moins de 24%, Pascal. À part la deuxième, on reprend la gauche de Nicolas Urtubiz. Abramov à la mise en jeu, remporte devant Lauzon. Derrière le filet, là, c'est Desrochers qui a eu son bâton de soulever, n'a pas été en mesure de passer, mais on a repris chez les Tigres. Voilà La Rochelle. La Rochelle devant lui, rondelle qui est déviée chez l'adversaire. Coulombe revient, prête la renvue, remettre devant pour Bocage, n'a pas été en mesure de tirer sur réception. Abramov dans le coin, n'a pas été en mesure de récupérer ce 10 malgré la chute d'un opposant. Zachary Michaud qui était là. Dans l'aile, on rejoint Lauzon. Lauzon s'amène chez les Tigres. Arrêté à la ligne bleue par La Rochelle. Coup d'épaule raté dans le coin. Là, c'est Picard qui vient mettre en échec Abramov. Rondelle qui est repris par le capitaine des Tigres. Il a marqué un but important, le deuxième de son équipe sur un tir de pénalité. Voilà Abramov dans son territoire. Il s'amène au centre. La porte s'est fermée. Oh, attention. Intercepté dans l'enclave. Un tir qui n'est jamais venu, mais les Foreurs s'installent. Zone adverse, Spence. Son lancé. Arrêté devant le filet. Et ça a toujours subi. On va l'envoyer près du filet, devant le tir. Quel arrêt de Nicolas Urtubiz! Et Tchaïkovic qui reprend dans le coin. Tchaïkovic utilise la rampe pour remettre à la pointe pour Villeneuve. Villeneuve s'avance. Villeneuve en problème, mais Jacob Petit reprend. Tire vers le filet. C'est bloqué par Desrochers, mais on a pu reprendre contrôle chez les Tigres. Derrière le filet, c'est Poulin. Il remet devant la rondelle qui est coincée près du demi-cercle. Poulin s'avance, son tir. Ça a été bloqué. La rondelle qui est tout près du gardien. On était capable de reprendre chez les Tigres. À la pointe, c'est Spence. Spence, remise devant lui, Peltier, son tir, il rate la cible. De l'autre côté, c'est Villeneuve. Villeneuve, derrière le filet pour Poulin. Poulin, remet devant le filet, ça rate. Villeneuve, son tir, dévié dans le coin. Tchaïkovic, derrière le filet pour Poulin. Intervention d'Abramov. Abramov qui
réussit un dégagement jusqu'à la ligne bleue adverse. On est à bout de souffle chez les Tigres. Là. Ils ont pas apporté des changements chez les Foreurs. Voilà Jacob Pelletier. Ça mène sur la droite. Du revers. Il veut remettre dans l'enclave. La rondelle lui revient. Un tir qui dégage dans le filet protecteur. Et Urtubise qui multiplie les miracles avec 5-40 à faire à la deuxième période. C'est toujours 2-1 les Tigres en direct de Québec. C'est le hockey des Tigres, Mazda Victoriaville. On a embarqué dans l'aventure de McDonald's parce qu'on croit que ça va changer quelque chose. Ça, c'est bien important. C'est vraiment simple. C'est élever du bœuf tout en respectant les écosystèmes. On dit que c'est durable puisqu'on veut que ce qu'on fait aujourd'hui permette qu'on continue aussi dans le temps. C'est sûr que l'engagement de McDonald's va avoir un incitatif de préserver l'environnement. C'est l'avenir, puis c'est important. De retour au hockey des Tigres, Mazda Victoriaville. On est de retour en direct de Québec. C'est toujours 2-1 les Tigres. Là, Mathieu, là, les Foreurs sont partout sur la patinoire en deuxième période. Ouais. Et les Tigres s'en sortent. Il y a 18 lancés pour les Foreurs, 7 pour les Tigres. Mais les Tigres toujours en avance, 2-1. Écoute, il n'y a aucun tir, Pascal, par les Tigres en deuxième période. C'est 9-0 les Tigres pour les Foreurs. Ils sont à 9 tirs dangereux maintenant contre toujours 4 seulement, bien sûr, pour les Tigres. Le gardien Nicolas Urtubise est la grande vedette de cette deuxième période pour les Félins. Des arrêts tellement spectaculaires, tellement, j'ai envie de dire, impossibles, que quelquefois, on se demande si la rondelle a atteint le joueur en question, si elle a atteint le gardien de but. Là. Mais c'est... l'arrêt du bout du bâton devant Villeneuve, un tir à bout portant, ça, c'est digne des arrêts de la semaine dans la Ligue de hockey. Un arrêt miraculeux. 5-40 à faire à la deuxième de l'arrêt de la semaine. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'autres matchs. Là. En fait, il n'y en a pas d'autres. Mais... mais l'arrêt de la semaine inclut les matchs de Ligue nationale. On va faire ça. C'est ça. 5-40 à la deuxième. On reprend le territoire des Tigres. Frenette à la mise en jeu devant Robida. C'est remporté par les Tigres. C'est venu en voie derrière pour Roy. Roy, courte remise pour Tardy. Tardy, il va d'un là. Territoire ennemi, c'est un dégagement qui sera refusé au tir. 5-31 à faire à la deuxième. 2-1 les Tigres. Tigres qui s'en sortent. Toujours avec cette avance d'un but malgré une domination complète des Foreurs en deuxième. Les Foreurs qui mettent énormément de pression. Et là, on commence à voir le premier trio et Jordan Spence à outrance dans la mêlée. Les enjeux qui... c'est pas vraiment de gagnant, mais finalement, c'est les Foreurs. Voilà Spence, tir de la ligne bleue, bloqué par Fournier. De l'autre côté, Villeneuve, mise en échec, les Tigres le prennent. Et c'est Fournier qui initie l'attaque. Passe sur sa gauche pour Frenette, c'est un peu long. Frenette réussit le dégagement derrière le filet adverse. Villeneuve reprend, contourne son filet, le met devant lui pour Doucet. Doucet, contre remise, c'est réussi pour Robida. Robida s'amène en attaque, laisse derrière lui, intervention de Frenette, il y avait beaucoup de joueurs chez les Foreurs. C'est Tardy qui rejoint. Tardy de l'autre côté, il y a Frenette qui s'est ouvert. Tardy tente un tir de loin. C'est bloqué par Guenette. Rondelle qui est repris par les Foreurs. Robida, ça passe pour l'égaré. Il est arrêté avant de traverser la ligne bleue chez les Tigres. Le jette néanmoins. Arsenault reprend. Longue remise à la Rochelle vers le centre pour Element. Mais la rondelle n'a pas été touchée par Element et c'est un dégagement refusé aux Tigres. Moins de 5 minutes à faire à la deuxième période. 2-1 les Tigres. Autre mise en jeu, territoire défensif pour les Tigres. Mise en jeu excessivement importante. On est à 15 mises en jeu gagnées par les Foreurs, 14 par les Tigres depuis le début du match. C'est Frenette qui va aller la prendre, cette mise en jeu, devant gaucher. On est à la droite de Urtubise. Mise en jeu remportée par les Foreurs. Remise qui rate vers Ducharme. C'est Guenet qui s'est avancé, le défenseur. Attention, un tir de loin, arrêt du gardien, long retour. C'est Element qui va de dégagement jusqu'à l'autre bout. Et là, cette fois-ci, encore une fois, ça sera refusé. On va commencer à apporter des changements chez les Tigres, mais... avec le dégagement refusé, on doit tourner les éléments sur la patinoire. Deuxième période pénible pour les Tigres. J'en avais parlé lorsqu'elle a débuté. Heureusement, là, il en reste moins qu'il y en a à faire. 4-36 à faire à la deuxième période. Est-ce qu'on est prêt à prendre un temps d'arrêt chez les Tigres? Non. On va reprendre à la droite de Urtubise. Mise en jeu remportée par Element, mise en jeu importante. On envoie derrière le filet pour Arsenault. Arsenault tente de... il a poussé cette rondelle à l'extérieur du territoire. Voilà qui est fait, mais c'est pas assez loin. Là. Michel laisse en retrait pour Guenette. Guenette, seul Tardy, a eu le temps d'aller rejoindre son banc. Guenette pour Bernard. Bernard s'avance tranquillement. Longue remise vers le centre. C'est bien fait pour Michel. Michel veut remettre sur sa droite, c'est raté. Rondelle reprise par
Daigle. Daigle qui a pour sa rondelle d'une seule main jusqu'en territoire adverse. Duchamp s'amène dans le coin en contact avec Bocage. On perd la rondelle chez les Foreurs. Voilà les tirs installés, zone adverse. Daigle remonte à la ligne bleue. Daigle, on le fait chuter là. On s'en tire chez les Foreurs. Voilà Bocage s'est amené. La rondelle a tout juste quitté le territoire chez les Foreurs. Bernard dans sa zone. Bernard patient. Attend l'arrivée de LMN. Remise au centre pour Jacob Pelletier dans l'aile pour Poulin. Il y a de l'espace. Poulin s'avance. Son tir. Arrêt de Tubis. Se fait dévier dans le filet protecteur. Avec 3.39 à faire à la deuxième période. 2-1 les Tigres. Les Tigres souffrent dans cette période et offensivement, on est fatigué, incapable de créer quelque chose là, offensivement. Même lorsqu'on s'amène, on voit là, que la créativité est moins là. Le deuxième effort y est, mais on n'arrive pas là, à construire des jeux. Poulin à la mise en jeu devant Abramov. Mise en jeu remportée par les Tigres. Attention, le Tchaïkovitch qui reprend. C'est Poulin maintenant, près du filet. Intervention de Sivigny. Ça passe qui est intercepté par Jacob Pelletier. Passe à la pointe pour Spence. Le long de la bleue, c'est fait pour Thomas Pelletier. Tire de loin, arrêté par Coulon. Cherche le retour. C'est P.O. Roy qui lui remet. Voilà Coulon. Dans l'aile, c'était derrière, quelque peu Kalmykov. Ralenti en entrée. C'est Thomas Pelletier qui vient reprendre. Pelletier remet vers Tchaïkovitch. Devant lui pour Jacob Pelletier. Pelletier arrêté, mais Tchaïkovitch, souvent derrière, reprend. À la ligne des buts, laisse derrière le filet pour Pelletier. Pelletier, remise devant, c'est coupé par P.O. Roy. On reprend chez les Foreurs. Thomas Pelletier à la pointe, le long de la bleue pour Spence. Feinte un tir, retourne à Thomas Pelletier. Thomas Pelletier de la ligne bleue, tire de loin, dévie devant le filet. C'est un peu haut. Voilà les Tigres qui reprennent et c'est Abramov qui réussit à envoyer la rondelle à l'extérieur de son territoire. Solide mise en échec de Jacob Pelletier là, sur. Attention, Abramov là, qui. Il veut remettre de l'autre côté pour Coulomb. C'est un peu long pour Coulomb. Coulomb tente de remettre devant le filet. C'est Frenette qui laisse glisser à la pointe pour La Rochelle. Tire de loin, arrête le mur. Premier lancé, oui. Les Tigres en deuxième. 2.35 à faire à la deuxième période. Les Tigres 2, les Foreurs 1. Ils dominent 20-8 les tirs au but, les Foreurs. Ouais, c'est surtout à cause de la deuxième période, là, ce niveau de tir élevé. Là, c'est 11-1 en deuxième pour les Foreurs. Mais au pointage, les Tigres qui s'accrochent toujours. Frenette à la mise en jeu devant Lauzon. Mise en jeu qu'on doit reprendre. Il y avait du mouvement là, à la reprise du jeu. Il s'installe à nouveau à la gauche de Jonathan Lemieux. 2.35 à part à la deuxième. Mise en jeu remportée par les Foreurs. Légaré passe dans les patins. La rondelle qui quitte le territoire. C'est repoussé par Arsenault qui va de deuxième lancer des tirs. Il était très long. Je ne sais pas si on va même le comptabiliser. Là. Voilà Guenette au centre. Pour Lauzon. Lauzon rejette la rondelle derrière la défensive. Les Tigres. Arsenault s'amène, envoie le long de la rampe. C'est raté par Fournier. Et aidé par Tardion, il va de dégagement jusqu'à l'autre bout. C'est un dégagement qui sera toléré. 2 minutes et des poussières à faire. Ce satanique deuxième 20. Voilà Guenette. S'amène au centre. Guenette à la ligne rouge, rejette chez les Tigres. Doucet reprend. Fait de la rampe sur son revers, vous remettre dans l'enclave. Ça glisse plutôt à Villeneuve. Villeneuve attend le rebond, il va d'un tir. Arrêt. Devant le filet, ça a sonné le patin. Est-ce que c'était le bout du patin de Urtubis? Voilà Villeneuve. Tire devant le filet, le retour. C'est le dans l'enclave. Et on vient de rater une belle chance encore une fois chez les Foreurs. Légaré qui a raté la cible. Spence à la pointe. Les tirs encore en problème. 1.40 à faire à la deuxième. Spence, le long de la bleue pour Villeneuve. Villeneuve s'avance. Son lancé bloqué. On saute sur le retour chez les Tigres. Dégagement réussi jusqu'au centre. C'est Tardy qui va tenter d'aller reprendre la rondelle, mais Spence le devance. Spence remise vers Villeneuve. Changement porté chez les Tigres, là. C'est Duchamp. Ça mène entre les deux défenseurs. Laisse dans l'aile pour Michel. C'est un peu long pour lui. Retourne la rondelle à Duchamp. À la pointe pour Spence. Le long de la bleue pour Villeneuve. Ça frappe. Arrêt de Urtubis. Il se fait dévier sur sa gauche. Rondelle qui est repris par les Foreurs. Ça touche un patin. Maintenant, ça glisse vers Spence qui quitte son poste de défenseur. Laisse dans le coin pour Gaucher. Gaucher mise en échec par Arsenault. Arsenault traîne la rondelle. On remet à la pointe. Duchamp, son tir bloqué à la deuxième occasion. Cette fois, c'est repris par les Tigres. Element 2 contre avec Bocage. Element sur l'aile gauche. Element s'avance. Son tir. Arrêt du gardien. Retour bondi dans le coin. Element reprend. Tir du revers. Fait vers le gardien qui emprisonne la rondelle. Le jeu s'arrête. 48 secondes à jouer à la deuxième. 2-1 les Tigres. Et Mathieu, j'ai envie de te dire s'il avait fallu. S'il avait fallu qu'Element, après une période complètement dominée comme ça par les Foreurs, en marque un troisième pour les Tigres. Ça aurait été une touche d'eau froide pour les hommes de Daniel Renault. Il a opté pour le tir. Le défenseur s'était couché là, pour couper la ligne de passe avec Alex Bocage, mais le gardien le mieux a été solide sur la séquence. 48 secondes à faire à la deuxième. Mise en jeu territoire des Foreurs. C'est Daigle qui est devant Poulin. Mise en jeu remportée par Poulin. Bernard contourne son filet.
rapidement, la main devant lui pour Jacob Pelletier. Pour Guénette, Guénette, qui s'amène en attaque. Guénette, dans la salle à la ligne de l'éthique, de Poulain à Pelletier, un tir qui rate la cible. La rondelle qui longe la rampe, repris par Guénette, derrière le filet pour Poulain. Poulain protège la rondelle devant l'arrivée de Deg, supporté par Sévignon, réussit à sortir la rondelle du point. Et c'est Bocage qui voit le dégagement jusqu'à l'autre bout. Le Element qui part à la poursuite de la rondelle. Element, coupe devant le filet, son tir, arrête du gardien. La rondelle est libre, se promène dans le demi-cercle. Et c'est Deg qui était accroché derrière le but, ne pas être en mesure de tirer. Et le dégagement est envoyé à l'autre bout. C'est toléré, 10 secondes. Péo Roy derrière son filet. On laisse égrener les dernières secondes. 3, 2, 1. Et les Tigres viennent au vestiaire avec 20 minutes à faire à la rencontre avec une avance de 2 à 1 sur les Foreurs. Et Mathieu... Quelle accélération d'éléments sur la dernière en séquence. Fin de présence, oh, oui. Oh, que ça en est fallu de peu. Et là, derrière le filet, regarde Deg. 2 à 1. Les Tigres ont les devants sur les Foreurs de Val-d'Or. Et Mathieu, il est encore trop tôt pour dire certaines choses, mais peut-être que cette deuxième période-là pourrait être l'histoire du match. Peut-être, parce que les Foreurs ont été complètement seuls pendant une partie de cette période. Et au final, ils n'ont pas été en mesure de marquer un seul but. Les Tigres se sont accrochés. Et que dire du brio de Nicolas Hurtubise qui a été sublime au cours de cet engagement, repoussant les 12 tirs dirigés vers lui. Et il y a eu plusieurs tirs dangereux. Pascal, les Tigres sont à 20 minutes du titre de la Coupe du Président. Allons-y, Mathieu, avec le sommaire de cette deuxième période. Sommaire qui est assez simple, Pascal. Aucun but marqué au chapitre des tirs. On a eu les devants, le meilleur plutôt, 13-4 du côté des Foreurs. Et les tirs dangereux, on est rendu à combien? Bon, les tirs dangereux, Pascal, on est maintenant à 10-6 en faveur des Foreurs. Alors, on passe à l'entraque. On vous revient pour le début de la troisième période. 2 à 1, les Tigres mènent après 40 minutes de jeu. C'est l'heure que les Tigres massent de Victoriaville. On est de retour en direct de Québec. 2 à 1, les Tigres mènent. Ils sont à 20 minutes de mettre la main sur la coupe. Mais 20 grosses minutes de jeu. Parce qu'il n'y a rien qui est joué encore. On voit des Tigres très focus là, qui reviennent au banc de leur équipe. 20 minutes séparent les Tigres d'une première Coupe du Président en 19 ans. Mais là, le plus gros du travail est à faire. Le seul avantage qu'on peut parler en deuxième période, c'est qu'on est passé par-dessus cette fameuse deuxième période difficile pour l'équipe et que les bas sont un peu plus rapprochés. Là. Absolument. Les changements seront plus faciles. Les joueurs qui sont de retour à leur bas respectif. Les Tigres qui n'ont jamais entrepris la troisième période avec l'avance dans cette série. Dans le match de jeudi, on l'a pris rapidement, l'avance, cependant, là, alors qu'il y avait 54 secondes d'écoulé seulement à la troisième période. On sent la fébrilité ici, dans l'enceinte du centre Vidéotron. Alors voilà, on envoie les éléments du côté des Foreurs. Bernard et Guénette, les arrières. Gaucher, Michel et Duchamp pour amorcer cette troisième période. Chez les Tigres, La Rochelle et Arsenault, les arrières. Daigle, Element et Bocage. 2 à 1, les Tigres en avance. C'est le match numéro 6 de la grande finale de la Coupe du Président de l'Éclair Junior Major du Québec. Les Tigres mènent cette série 3 à 2. Pendant que les partisans se mettent
de la partie. On est prêt à déposer la rondelle entre tête et gaucher. Bonne troisième période. Les enjeux qui sont remportés par les Tigres. Arsenault. La main vers le centre pour Bocage, dans les patins quelque peu. Bocage retourne en retrait pour Arsenault. Pression exercée par les Foreurs qui reprennent la rondelle. Du centre de la patinoire, c'est Gaucher qui s'amène en attaque. Gaucher a marqué l'unique but des Foreurs. Coincé près de la rampe, Duchamp vient l'aider. Il y a La Rochelle qui s'en mêle également. La rondelle qui ressort, repoussée dans le coin. Duchamp en bataille cette fois-ci avec La Rochelle. On est à la ligne des buts, derrière le filet. Rondelle qui est retournée de long de la rampe. Voilà. Bocage qui tente une courte remise, c'est arrêté. Ça a tout juste quitté le territoire. Michel en retrait pour Bernard. Devant lui pour Gaucher. Les Tigres reprennent. Changement apporté de part et d'autre. La Rochelle vers le centre pour LMN. Prêt pour la déviation. Disque qui est perdu. C'est Poulin qui s'en empare, mais envoie un peu trop loin pour lui-même. Les Tigres dégagent jusqu'au centre. Guenette. La met vers le centre. LMN intercepte et retourne. Guenette profondément chez lui. Le long de la rampe. Disque qui est repris par Poulin. Ça passe tout un. Patin revient à Guenette pour Poulin. Poulin, du centre de la patinoire, il va d'un lob, territoire adverse. Il rejoint Pankovic, son tir, arrêt de Tubing, son retour repris par Sévigny qui envoie de long de la rampe. Là, les Foreurs installés territoire des Tigres. Perd, tire de loin. La rondelle qui est ratée par Poulin. Tente de revenir devant, derrière le filet. Bataille entre Poulin et Sévigny, c'est remporté par Poulin. Tire de loin de Spence, dévié par Urtubis dans le filet protecteur. 18-37 à part à la deuxième période. 2-1 les Tigres. C'est pas compliqué depuis le début de la deuxième période. À chaque fois que le trio de Jacob Pelletier, Maxime Chaikovitch et Samuel Poulin dans la mêlée, les Tigres là, sont embourbés en fond de territoire. On va devoir trouver un moyen là, du côté des Tigres de les arrêter. À la gauche de Urtubis, il se mêlera la mise en jeu devant son homologue numéro 11, Lauzon. Les enjeux remportés par les Tigres, c'est Coulombe. Tente un dégagement, ça demeure coincé chez les Tigres. Envoyé près de la rampe et repris par Légaré. Légaré, un tour à la ligne bleue. On va derrière le filet pour Lauzon. Il laisse glisser pour Doucet. Doucet, sa remise à la pointe, interceptée par Coulombe qui dégage. Villeneuve passe au centre qui bondit chez les Tigres. Sévigny reprend. Sévigny a toutes les frais, c'est l'effet de l'adversaire. Je veux remettre devant la rondelle Divi. Tu se retrouve au bas des Tigres. Je s'arrête. 18-11 à faire à la troisième période. 2-1 les Tigres. Il y a énormément de pression dans ce début de période exercée par les Foreurs sur la défensive des Tigres. Petite tempête à prévoir. Grosse tempête à prévoir pour l'entièreté de la troisième période. 2-1 les Tigres. 18-11 à la troisième. À la gauche de Urtubis. Les enjeux rapportés de façon franche par les Foreurs. Thomas Petit sortir à la ligne bleue. Bâton fracassé. La rondelle glisse dans le coin. Tout sourit aux Tigres. Voilà Bocage qui le prend. Passe sur sa gauche pour Element. Retourne à Bocage. Bocage sur l'aile droite. Bocage, son tir arrêté devant lui par Bernard. Ça lui va faire mal. Le jeu se poursuit là. Bocage tente de reprendre dans le coin. Bocage, premier devant pour Element. Et il a toujours Bernard qui est étendu là, dans le coin. C'est La Rochelle. On tente d'en profiter chez les Tigres. Ça ressemble drôlement là. Ouais, à Sévigny. Là, on va appeler le coup de cette sifflet. Fois-ci, on va appeler le coup de sifflet. Bernard est en douleur là. Ne se relève pas et la thérapeute des Foreurs va devoir s'amener dans la mêlée. On voit la reprise. C'est un tir directement sur le pied, dessus, là, le dessus du pied, ouais. 17-45 à faire à la troisième période. Espérons le mieux pour le joueur des Foreurs là, qui n'a pas réussi à se relever. Là, finalement, le fait à l'arrivée de la thérapeute chasse la douleur. Il revient à son bas sur ses deux pieds. À faire à la troisième période. Bernard qui va faire quelques pas dans le couloir, maintenant au vestiaire. 17-45 à jouer. Il y a une pièce d'équipement qui traînait en territoire des Tigres. L'officiel juge Yannick va aller la récupérer. On va reprendre à la droite de Lemieux. Et Mathieu, je suis content que les Tigres n'aient pas marqué sur ce genre de jeu-là. C'est pas comme ça qu'on veut gagner. Pas qu'on n'a pas essayé, là. Je dis dans les termes du hockey, dans la qualité du match qu'on a. Je suis d'accord avec toi. À la droite de Lemieux. Daigle devant Michel. Les enjeux remportés par les Tigres. C'est Element qui a tenté un tir vers le filet. C'est passé au-dessus du gardien. Duchamp mis en échec solidement par Bocage. Michaud reprend dans son territoire. De P.O. Roy à Michaud. Michaud à la poursuite de la rondelle. Profite
de cette feinte pour amener la rondelle au territoire adverse. Bataille près de la rampe, c'est Dale qui a shooté. Un tir arrêté par le gardien. Il a effleuré la rondelle, il a échappé 10. Ça a raté la cible. Voilà Pelletier qui remet devant lui pour Michel. Michel arrêté à la ligne bleue. Adverse à rondelle qui est mort coincé chez les tirs. Attention, on est pris. Fait de Villeneuve. Villeneuve, son tir arrêt de Tubise. Il fait dévier dans le filet protecteur à sa gauche. Il a tous ses moyens ce soir, le gardien des Tigres. 17-11 à faire à la troisième période. 2-1 les Tigres. Il est dans sa bulle, il est dans son élément, là, Nicolas Hurtubise actuellement. Très solide devant la cage des Tigres. On s'installe à la droite de Hurtubise. Poulet à la mise en jeu devant Abramov. Mise en jeu rapportée par les Foreurs. Jacob Petit tente un tir. C'est arrêté devant le filet. Et Frenette s'empare du retour, dégage au centre. Thomas Petit vient reprendre. Face à Jacob Petit de la ligne rouge. Rejet à la gauche du gardien Hurtubise. C'est Vinny Samen. On va le long de la rampe pour Frenette. Frenette laisse glisser pour Tardy qui quitte sa zone. Il est seul. Décide de rejeter derrière le filet. Sortie de Lemieux. Lemieux envoie en contre-courant dans le coin pour Thomas Pelletier. Devancé par Abramov. Abramov a la rondelle près de ses patins. Tente de se défendre d'un adversaire, c'est raté. C'est Jacob Pelletier qui reprend. Remise vers la ligne de tir, intercepté. Tardy récupère. Tardy, il va d'un lob sur sa droite. Frappé au vol. La Frenette qui est incapable de pousser plus loin, mais on a touché à la hauteur, à la rondelle plus haut qu'à la hauteur normale des épaules. Le jeu s'arrête. On va reprendre à la gauche de Jonathan Lemieux. 16-31 à faire à la troisième. 2-1 les Tigres. On va prendre la mise en jeu à la gauche du gardien Jonathan Lemieux. Mise en jeu importante. Chaque présence là, est cruciale. Chaque petit détail va faire la différence d'ici la fin du match. Les enjeux rapportés par les Tigres. C'est Coulon. Il va être en mesure de prendre contrôle d'une rondelle sur Tiam. On va derrière le filet, c'est Robida qui laisse à Alpo. Mise en échec. On veut remettre devant pour Guenette. La passe qui rate retourner chez les Foreurs. Alpo sur sa droite pour Guenette. Guenette arrive à la ligne rouge. On va derrière le filet de Hurtubise. Salon 40, Légaré et Michaud en contact. C'est plutôt Pellerin qui va reprendre. Pellerin vers le centre, c'est bien fait pour Coulon. Arrive à la ligne rouge, le jette dans le coin. Coulombe à la poursuite de la rondelle, ça mène le premier. Rattrapé par Alpo qui colle contre la rampe. Ça permet au Foreur de reprendre, c'est Robida. Robida en tête, ça mène chez l'ennemi. Robida au cercle, son tir, arrêt d'Hurtubise. Balaye la rondelle dans le coin. Rondelle qui est repris par les Foreurs. On remet à la pointe, Villeneuve a de l'espace. Ça avance, son tir, arrêt d'Hurtubise. Garde le retour, le jeu s'arrête. 15-45 à faire à la troisième période. 2-1 les Tigres. Nicolas Hurtubise. Un seul nom à retenir depuis le début de la deuxième période. Il a été fumant pour les Tigres. Il conserve bien les retours, là, gère bien les retours autour de lui. C'est ce que j'aime d'Hurtubise ce soir. Oui, comme il vient de balayer, là, ça prend un gardien de but en pleine confiance pour faire ça. Je veux dire que la nervosité ne fait pas partie de son langage à Hurtubise. Les enjeux rapportés par les Tigres. C'est quoi? Dans le coin, réussit à rejoindre Bocage. Bocage en sortie de territoire pour Tigre. Sur sa droite pour Element. En entrée de territoire, applique les freins. Cherche option de passe, décide de rejeter dans le coin. Pour Dale qui laisse glisser derrière le filet. Ça rejoint Bocage. Finalement, c'est repoussé plus loin. Attention à la pointe de Cécivini qui est aux prises avec une rondelle bondissante. Il a accroché Tchaïkovitch. Il y aura pénalité. 15-23 à faire. Et là, Cécivini n'est vraiment pas content. Le geste était là. Tchaïkovitch est aidé. Il y aura avantage numérique des Foreurs. Ils ont une chance en or de créer l'égalité dans ce match. L'accrochage était là. L'accrochage est là. Tchaïkovitch, quand il a vu qu'il ne pouvait pas atteindre cette rondelle, c'est laissé jouer sur la patinoire. 15-23 à faire à la troisième. Les enjeux remportés par les Tigres. Michaud derrière son filet. Son rejet un peu trop vite. C'est récupéré à la pointe. Voilà Spence. Du revers rejoint Jacob Pelletier. Pelletier s'avance. Transversal pour Tchaïkovitch. Doit attendre le rebond contre la rampe. Aux prises avec Tardy qui va le mettre en échec. Tardy réussit le dégagement à l'autre bout. Sortie de Lemieux. Laisse la rondelle à Spence. Grosse mission chez les Tigres. 15 minutes à faire à la troisième période. 2-1 les Tigres. Voilà Spence. Passe sur sa gauche pour Poulin. Derrière pour Jacob Pelletier. Devant lui. Tchaïkovitch, son tir bloqué par P.O. Roy. Dégagement qui est arrêté à la pointe par les guerriers. On fait circuler le long de la rampe derrière le filet, c'est libre. Jusqu'à l'intervention de Michaud. Michaud, aux prises avec Jacob Pelletier, tente un dégagement, c'est bloqué par Tchaïkovitch. La rondelle glisse à la pointe pour Spence. De l'autre côté, Poulin. Poulin ne peut remettre devant le filet. Rondelle qui est dégagée au centre. Spence reprend. Laisse dans l'aile pour
Djajkovic, qui va de l'offre dans le coin, touche au vol par Roy. Roy derrière le filet, mise en échec solidement, tente de remettre plus loin, intervention de Frenette. Et la rondelle qui est reprise par l'éthique, dégagement réussi à l'autre bout. Sortie de Lemieux qui veut relancer l'attaque immédiatement. Rejoint Jacob Pétier. Attendu par Element, revient sur ses pas. 14 minutes 10 à la troisième période. 2 à 1 les tirs. Voilà Pétier. Capra large du côté droit. Son dégagement arrêté par Degg. Degg va tenter de s'échapper. Là, il est rattrapé par Robida. Il fait une chute et perd le disque. Pétier du revers rejoint les Guerriers en entrée de territoire. Applique les freins, décide de s'avancer quelque peu, laisse en retrait pour Jacob Pétier. À la pointe, rondelle qui passe au-dessus du bâton de Guénette. Et ça se retrouve au centre. Pétier doit attendre la sortie des coéquipiers avant de ramener son adversaire sur les rampe. C'est raté. Element dégage à l'autre bout. Belle dose d'énergie là, qui revient chez les Tigres. 20 secondes à l'avantage numérique des Foreurs. Guénette derrière le filet. Guénette passe devant lui pour Villeneuve. Villeneuve tente de rejeter son adversaire. C'est intercepté par Abramov. Abramov, patient, dégage à l'autre bout. Et puis la pénalité prend fin. Le mieux dégage le long de la rampe. Sévigné de retour dans la mêlée. Voilà Robida. Robida de la ligne bleue dégage. S'allonge la rampe. Kalmikov devant Michel. Un petit rondelle plus loin. C'est arrêté par Petit. Thomas Petit qui va d'un tir de loin. C'est bloqué. La pèlerin qui pousse la rondelle pour lui-même. Sortie de zone ratée. La rondelle qui est retournée près du filet de Hurtubise. C'est Lozon qui reprend dans le coin. Il laisse derrière pour Michel avec l'espace. Il veut la mettre devant. La passe qui est interceptée. Le Kalmikov qui cafouille avec la rondelle. Au final, c'est Coulomb qui va de dégagement jusqu'à la ligne bleue ennemie. Duchamp vient reprendre dans sa zone. Duchamp. Dans son élan, dans son territoire, Duchamp se défait de Coulombe, ça mène en plein centre, bifurque à droite, déborde Abramov, mise en échec par Tardy, et Abramov réussit le dégagement, c'est Coulombe qui va s'amener dans l'aide, mais non. On a été très discipliné sur la séquence. Oui, on est rapide pour un changement. 12-34 à faire à la troisième période, je vais intercepter au centre par Abramov. Abramov rejette la rondelle, territoire adversaire. Thomas Pelletier reprend, contourne son filet, harcelé par Renette, dégagement envoyé à l'autre bout. Un dégagement qui sera refusé aux Foreurs. 12-19 à faire à la troisième période. On va profiter de la pause. Les Tigres mènent 2-1 sur les Foreurs en direct de Québec. C'est l'hockey des Tigres, Mazda Victoriaville. Chez Mazda, depuis 100 ans, c'est vous qui nous inspirez à aller toujours plus loin. Le Mazda CX-5. Nous vous transportons, vous nous propulsez. Bonjour, Desjardins est très fier d'être le partenaire des Tigres pour la saison. OK, c'est ça. On le fait un peu plus naturel, OK? C'est beau. Bonjour, bonjour, bonjour. Parle-nous, mettons, avec un sourire, là. Bonjour, Desjardins est très fier d'être un partenaire des Tigres et vous souhaite un bon match. Bon, ça, c'est bon, Benoît. Hey, good. Oh non! On perd le système d'alimentation! On peut pousser les moteurs! L'appli Helix Fly, ça comprend le contrôle des lumières. Les moteurs sont de retour! Helix, ça comprend tout. Qui est les Tigres Mazda Victoriaville. On est de retour en direct de Québec. 2-1, les Tigres mènent. C'est la première pause de cette période. On peut souffler un peu chez les Tigres. Les Foreurs ont été menaçants encore une fois en début de troisième période sur un avantage numérique. Ils n'ont pas réussi à capitaliser. La défensive des Tigres ferme tout. Et lorsqu'il y a une faille, le gardien Nicolas Hurtubise fait l'arrêt. Ce sont bien débrouillé en infériorité numérique. On est à 28-12 au tir au but. C'est plus que le double pour les Foreurs, mais qui n'arrivent pas à percer la muraille Hurtubise. À la droite de Lemieux. Abramov devant Poulin. C'est remporté par les Foreurs. Derrière le filet, c'est Bernard. Bernard passe à Duchamp. Rondelle qui est envoyé chez les Tigres. Repris par ces derniers. La Rochelle. Devant lui, c'est bien fait. On fait des pieds vers Frenette. Le jeu s'arrête. Bernard pour Poulin. Attention, on met vers Djajkovic. On jongle quelque part avec la rondelle. Il va un tir dévié devant le filet. Ça rate la cible à la gauche du gardien Hurtubise. Disque envoyé dans le coin.
repris par La Rochelle. Passe devant lui, c'est entre les deux défenseurs là, des Foreurs. Tire de loin, là, ça a été bloqué par Péroy qui emprisonne la rondelle. Et le dégagement est envoyé. Oh là, le gardien va se quitter. Ouais. Oh, le jeu va se poursuivre. 11-38. À faire à la troisième période. Longue remise au centre. Péroy intercepte de la ligne rouge. Courte remise. Péroy pour Bocage. Il est arrêté. Revirement. Pelletier laisse à Tchaïkovic. Cette fois-ci, il n'y aura pas de pénalité. On s'en tire bien chez les Tigres. Voilà Bocage qui rejette son adverse. Bocage tente de reprendre la rondelle devant Gaucher. C'est raté. Jacob Pelletier au centre. Tente de remise dans l'aile qui a dévié hors-jeu contre les Foreurs. 11 minutes 13 à faire à la troisième période. Les Tigres ont les devants 2-1 sur les Foreurs. Les Tigres qui s'accrochent. Et là, les Foreurs qui ont un peu plus de difficulté à générer de l'attaque, à s'installer en territoire offensif que ce qu'on a vu lors de la deuxième période. C'est la bonne nouvelle pour les Tigres. La pression du côté des officiels, on a serré le sifflet. Ouais. On aurait pu punir contre Tchaïkovic par la dernière séquence. 11-13 à faire à la troisième période, 2-1 les Tigres. Dègle devant Poulin. C'est remporté par les Tigres. Voilà Element. Ça mène zone adverse, il rejette dans le coin. Il a été bloqué par Spence, le pire du pied. Disque envoyé derrière le filet. Spence qui chute à son tour. Element remet dans l'enclave. Une rondelle qui dévie. Bocage n'a pas été en mesure de reprendre, mais Spence a tiré vers son filet. Ça a touché l'extérieur du but sans le vouloir. Voilà Bernard. Laisse au centre pour Duchamp. Fait dévier plus loin pour Michel. Laisse à gauche. Gaucher envoie dans le coin. Sévigny, ça mène le premier. Sévigny attire deux joueurs, laisse derrière pour Pellerin. Pellerin, il va d'un lobe. Ça tombe devant Coulomb. Coulomb qui est arrêté à la ligne bleue adverse du centre. Michaud rejette derrière le filet de Lemieux. Sortie du gardien, envoie pour Spence. Spence, ça passe intercepté dans le coin. Kalmykov reprend. Kalmykov tente un tir, c'est bloqué. Kalmykov saute sur le retour tout près de lui. Amené dans le coin, Spence vient reprendre. Derrière le filet pour Bernard, bonne nouvelle pour les Foreurs. Ouais. Foreurs, il est de retour. C'est ce qui est envoyé le long de la rampe. Duchamp en retrait pour Robida. Robida, tiers de loin, là, qui bondit devant Urtubiz. Il fait l'arrêt. On approche le mi-chemin dans cette troisième période. Avec 10-0-9 à faire à la troisième. 2-1 les Tigres. On va reprendre à la droite du gardien Nicolas Urtubiz. Urtubiz qui est maintenant toujours à 10 tirs dangereux. Il n'y en a pas en troisième période sur lui. Il gère bien le match jusqu'à maintenant. Deuxième unité qui est dans la mêlée là, pour les Foreurs. Ouais. On va prendre la gauche finalement d'Urtubiz. Les enjeux remportés par les Tigres. C'est Arsenault qui laisse à Tardy. Tardy va d'un dégagement à l'autre bout. Il voulait rejoindre Frenette. Ouais. Ça rate. Dégagement est refusé. On tentait de surprendre les Foreurs là, avec une bombe. Ça n'a pas fonctionné comme tu le mentionnes. 10-0-1 à faire à la troisième. 2-1, les Tigres qui tiennent à cette avance depuis le but marqué par Michael Abramov sur un tir de pénalité en première période. Les enjeux à nouveau remportés par les Tigres. La Rochelle derrière son filet pour chasser par Doucet. On met de l'autre côté, remise qu'Abramov fait dévier à l'extérieur dans son territoire. Villeneuve s'en empare, s'échange avec Guénette. Guénette devant son gardien, ralentit quelque peu devant la position d'Abramov. Rondelle qui est rejetée chez les Tigres, mais c'est intercepté par Arsenault. Arsenault, ça passe au centre, coupé par Guénette qui retourne les Tigres profondément chez eux. La Rochelle derrière le filet pour Arsenault, fait circuler pour Frenette. Frenette tente une passe, ça a touché Robida et ça glisse en territoire des Foreurs. C'est Thomas Pelletier qui laisse sa contre-courant pour Jacob Pelletier. Pelletier, attendu par Element, retourne à Thomas Pelletier derrière le filet. 9 minutes 15 à faire à la troisième période. La mise dans l'aile pour Poulin. Long passe, même beaucoup trop long, qui glisse chez les Tigres. C'est Sévigny qui la retourne à l'extérieur du territoire. Rondelle qui est lobée, territoire des Tigres. Avec l'orgeur à terre de masse, ça permet aux Tigres de prendre leur temps. C'est Roy qui remet au centre, les revirements. Là, on ramène la rondelle. C'est repris par Element. Element qui laisse à Degg. Degg tente de couper vers le filet. Degg accroché quelque peu. Oh, puis refiler la rondelle entre les jambières du gardien. Le mieux qui fait l'arrêt, le jeu s'arrête. 8-55 à faire à la troisième période. On va passer une pause. Les Tigres, on les demande 2-1 sur les Foreurs. En direct de Québec. Vous écoutez l'Hockey des Tigres, Mazda Victoriaville. Je suis la CAFOR de Victoriaville. Enfin, nos F-150 2021 sont arrivés. C'est avec fierté qu'on vous présente un F-150 XLT Sport plus équipé que jamais. Pour les nouveautés de cette année, Steve Villeneuve. En effet, Christian, un F-150 complètement redessiné.
des phares tant attendus, des détections d'angle mort dans les rétroviseurs, un bouton poussoir à l'intérieur, une climatisation bison, un géant écran de 12 pouces, une surface de travail et une génératrice à l'arrière de 2 kW. Vous voulez une autre bonne nouvelle? Les prix de nos F-150 2021 sont super agressifs. En plus, la valeur de vos camions d'échange n'a jamais été aussi élevée. Venez le constater par vous-même chez LacAirFord, Victoriaville. De retour au hockey des Tigres, Mazda Victoriaville. On est de retour en direct de Québec. Les Tigres ont les devant 2-1 sur les Foreurs de Val-d'Or. Moins que 10 minutes à faire à cette troisième période. Les Tigres qui s'accrochent à cette avance d'un petit but. Oui, ça tient toujours, mais là, plus la période va avancer, si cet écart reste à un but, les Foreurs vont mettre beaucoup de pression et ils vont commencer à prendre des chances. Ils n'ont pas le choix. S'ils veulent espérer créer l'égalité dans la série. Mathieu, le tapis en dessous de nos pieds doit être très usé. Ouais. Et je vois, là, on présente des partisans des Tigres dans les estrades. Là. Il y a du stress au pouce carré ici. Ça ne tient qu'à un fil en espérant que le fil soit assez solide. Il l'a été jusqu'à maintenant. Même si on l'a tiré, on l'a tendu, le fil tient toujours. 8,55 à faire à la troisième période. 2-1, les Tigres, c'est Bocage qui s'installe à la mise en jeu. Territoire des Foreurs à la gauche du gardien. Rodel qui glisse vers le bleu. Le gardien emprisonne, le jeu s'arrête. 8,54, on va reprendre à la gauche de Jonathan Lemieux. Il n'a fait pas qu'à 13 lancés jusqu'à maintenant. Bocage à la mise en jeu, devant gaucher. Rapidement du côté de Bocage, c'est Daigle qui vient prendre la place. Les enjeux remportés par les Foreurs, mais dans le coin, c'est Element qui saute sur la rondelle. Element reprend, laisse dans le coin, c'est intercepté par Gaucher. Gaucher, ici, la sortie. Passe au centre qui dévie à la ligne 2 des Tigres. Sévigny reprend. Remet au centre pour Bocage. Bocage est faire la rondelle pour empêcher le dégagement. En contact avec Thomas Pelletier. Bocage repousse sa rondelle dans le coin. Element qui vient mettre en échec solidement Spence. Ça permet à Pellerin de s'amener derrière le filet. Voilà Pellerin, collé contre la rampe. Rondelle qui est sous deux joueurs, là, il s'est ressorti. Voilà Ducharme. Ducharme s'amène à la ligne rouge. On rejette. C'est Fleureau au passage par Gaucher. Derrière le filet, Sévigny reprend. Sévigny tente de pousser la rondelle plus loin, mais Gaucher reprend contrôle. Vers devant Michaud. Dégagement tenté, c'est Spence qui remet dans le coin. Voilà Sévigny. Sévigny passe devant lui pour Element, puis il va de dégagement, simplement territoire adverse. 8 minutes à faire à la troisième période. 2-1 les Tigres. Bernard, dans son territoire. Bernard, sa droite, à Guenet. Pour Poulin. Attention, le gros trio dans les mêlées. Pour Pelletier maintenant. Poulin. Poulin veut remettre devant le filet. Jacob Pelletier est arrêté, c'est Péorois qui le prend. Il laisse à Tardy. Tardy va tenter d'initier une sortie. Il va d'un lob, c'est stoppé au centre par Bernard, mais Tardy le prend. Tardy va d'un lob, directement dans les gradins, le jeu s'arrête. 7:34 à faire à la troisième période. 2-1, les Tigres. Sortie territoire, c'est vécu de la bonne façon du côté des Tigres. On a été bon là, dans les dernières minutes contre le gros trio d'autre côté. On ne leur laisse pas beaucoup de temps là, de s'installer en territoire adverse. C'est ce qu'ils aiment faire et qu'ils ne sont pas en mesure de faire actuellement. En plein centre, Poulin devant Abramov, les enjeux remportés par les Foreurs. Petit qui laisse, qui permet à Bernard de reprendre la rondelle, qui lui retourne le disque. Jacob Pelletier en entrée de territoire. Pelletier tente de déborder Péorois. Pelletier tente un tir, l'angle était restreint. On a déjoué le gardien de but des Tigres sur pareille situation, mais l'arrêt et le retour qui est retourné jusqu'au centre. Le territoire des Foreurs, Bernard a le disque. Ça avance quelque peu, laisse derrière pour Guenet. Guenet hésitant, arrive à la ligne rouge, veut rejeter chez les Tigres. Voilà qui est fait. Derrière le filet, c'est Péorois. Péorois, là, qui a coupé sa passe, mais. C'est Frenette qui y va de dégagement jusqu'à l'autre bout. Là, en pleine vitesse, Tardy va tenter de battre de vitesse Bernard, ce qu'il n'a pas réussi à faire avec moins de 7 minutes à faire à la troisième période. On doit garder les mêmes éléments sur la patinoire pour les Tigres. Heureusement, on était en fin de présence également du côté des Foreurs, ce qui veut dire qu'on va amener une autre unité dans la mêlée. C'est la bonne nouvelle pour les Tigres. Là, c'est ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'unité là, de Jacob Pelletier, Samuel Poulin et Maxime Saïkovitch qui va être dans la mêlée. Les enjeux remportés par les Foreurs. Attention, Doucet, Savard, son tir, bloqué. Spence reprend la pointe. Spence hésite quelque peu devant Tardy. Pivote. Revient. Ah, ça mène dans le coin.
Doucet est rejoint. Spence derrière le filet. Le défenseur qui va offensivement. Derrière le bon, on a perdu la rondelle. C'est Doucet. Il peut remettre à la pointe. On l'en empêche et ça passe qui glisse entre les deux défenseurs qui quittent le territoire. Voilà Villeneuve. Du revers envoie derrière le filet des tirs. Péroy envoie le long de la rampe pour Kalmykov. Kalmykov incapable de quitter son territoire. C'est repris à la ligne bleue. Doucet remet devant lui. Dans les patins de Villeneuve qui glisse dans le coin pour Robida. Robida mise en échec par Péroy. C'est une longue présence chez les tirs. Très longue présence. Dégagé pour Spence. Spence son tir dans les patins de Kalmykov qui remet devant lui pour Abramov. Ça mène dans l'aile. Mikhail Abramov remet devant pour Tardy. Il est au bout de son bâton, n'a pas été en mesure de tirer. Une longue présence là, pour Tardy et Abramov. Abramov qui revient à son banc, mais Tardy toujours derrière, l'empêche la sortie des foreurs. Voilà Doucet qui rejoint. Doucet laisse passer Pellerin devant lui, ça mène. Moins de 6 minutes à faire à la troisième période. Michaud derrière le but. Va d'une longue remise vers le centre. Pellerin habilement fait dévier. Ça glisse en territoire des foreurs. Guénette à la poursuite de la rondelle. 5 minutes 30 à faire au troisième 20. 2 à 1 les Tigres. Guénette derrière son but. Tente une passe pour Gaucher. C'est raté. La rondelle qui glisse derrière le filet des Tigres. Un dégagement toléré. Michaud reprend. Laisse derrière. Attention, c'est trop vite. Devant Michel. Et voilà le but. On a perdu 10, mais pourquoi on a accepté le dégagement, Mathieu? Oh là là. 5 points à faire à la troisième période. On a accepté le dégagement et les foreurs en profitent pour créer l'égalité 2 à 2 dans ce match. Oh là là! On est venu mettre la pression sur Jérémy Michaud. Et par la suite, le pas de derrière, le filet devant Jérémy Michel qui en profite et les foreurs créent l'égalité 2 à 2. Avec 5 minutes 20 à faire à la troisième période, 2 à 2 la marque. Oh là là! Et Jérémy Michaud s'en va. On reprend au centre. Voilà. Pelletier fait dévier la rondelle derrière le filet des tirs. Cette fois, c'est toléré. Trajkovic reprend. Envoie le long de la rampe. Mais Bernard s'est avancé. La rondelle quitte le territoire. 5 minutes à faire à la troisième période. C'est 2 à 2 la marque. Voilà Poulin. Laisse dans l'œil. Trajkovic. Ça va, se remet devant le filet. Poulin, on l'a empêché de faire dévier cette rondelle. Petit remet derrière le filet. Poulin de l'espace. Poulin peut revenir devant. Tente de surprendre le gardien. Ça ressort à la droite. Poulin, mise en échec dans le coin. Rondelle qui est libre jusqu'à l'arrivée de Deg. Remise de Jacob Petit à la pointe, mais aucun jeu d'intercept. Laisse à Deg. Mauvaise réception. C'est Villeneuve qui reprend. Alors Villeneuve, ça vient chez les tirs. Villeneuve, on ne fait pas la rondelle. Ça glisse dans le coin. Un contact avec Péroy. Villeneuve remet devant le filet. C'est perdu. Dégagement tenté. Il doit croiser chez les tirs. Element en sortie de territoire. Element s'en est en attaque avec d'autres joueurs chez les foreurs. Voilà Element. Une fin. Il peut revenir devant le filet. Spence qui ferme la porte. Spence. Passe dans l'aile pour Doucet. Doucet traverse la ligne bleue. Doucet. Dans l'aile. Remet devant. C'est passé tout droit. Tardy reprend. Tardy. Rejoint. Frenette pour Abramov. Abramov en entrée de territoire. Abramov. Passé à remettre devant lui. Pour Tardy devant le filet pour Frenette. Passe interceptée. À la pointe, Sévigny arrête le disque. Conserve en zone adverse. Sévigny. Mise en échec par Légaré. On fait circuler le long de la rampe. C'est Guénette. Guénette revient sur ses pas. On voit de l'autre côté. Le jeu s'est ouvert pour Thomas Pelletier. Passe devant lui pour Légaré. 3 minutes 40 à faire à la troisième période. Avec qui rejoint le territoire des Tigres. Dans le coin, c'est Michaud. Il laisse derrière pour Sévigny. Voilà. Derrière le but, c'est Michaud. Michaud envoie de l'autre côté pour Sévigny. Vers le centre. Jeu qui est bloqué. Il faudra attendre de ramener chez les Tigres. Voilà qui est fait, mais la rondelle est libre jusqu'à l'intervention de Michaud qui rejette à la ligne de l'adversaire. 3 minutes 10 à faire à la troisième période. Dégagement envoyé derrière le filet. Sortie de Lemieux. Qui laisse libre derrière pour Spence. Spence s'avance. Spence passe derrière lui pour Jacob Petit en pleine vitesse. Petit chez les Tigres. Dans la rondelle. Arsenault sur le dégagement raté par Tchaïkovic. En contre-attaque, mais Tchaïkovic qui rate sa passe. Et Bocage vient reprendre. Bocage du revers.
le jette vers le centre. Spence la passe dans les patins. Attention, là, c'est Dell qui tente de reprendre. Derrière, il rejoint Element. Element pour Bocage, mais on l'a rattrapé. On soulève son bâton, il ne peut prendre. Jacob Pétis contre-attaque. De l'autre côté, je vois assez distancé. On remet dans la cage. Villeneuve, son tir, il rattrape. Le retour, repris. Près du filet, on veut remettre devant. C'est raté. Element qui tente la bombe vers le centre pour Deg. Deg, cependant, il est rattrapé par Gennett. Gennett, emmené derrière le filet par Deg. 2 minutes 20 à faire à la troisième période. C'est l'égalité 2 à 2. Derrière le but, Gennett. Gennett passe sur sa gauche pour Doucet. Doucet s'amène en attaque. Mise en échec par Gennett. Péroy devant lui. Pour Abramov, connaît bien la rondelle. En se retournant, Abramov tire faible vers le gardien. Le jeu s'arrête. 2-0-2 à faire à la troisième période. C'est toujours l'égalité 2 à 2. On passe une pause en direct de Québec. C'est l'heure qu'il est comme Mazda Victoriaville. Abonnez-vous à l'infolettre des Tigres sur le site Internet de l'équipe. Vous pourrez ainsi recevoir des courriels sur les matchs à venir, les promotions et matchs thématiques, ainsi que les différents événements de l'équipe. Tout ce que vous devez savoir sur votre équipe, l'infolettre des Tigres. Faites du bruit! Imbattable, point final. Matchy! De retour au hockey des Tigres, Mazda Victoriaville. On est de retour en direct de Québec. C'est 2 à 2 entre les Tigres et les Foreurs. Les Tigres qui menaient par un but jusque quand même à 7 heures en troisième période où les Foreurs ont créé l'égalité. Et là, ce qui est inquiétant chez les Tigres, c'est qu'on ne génère plus d'attaque. On ne génère plus d'attaque depuis la deuxième période. Très peu exactement. Les jambes semblent lourdes. On est à 32-13 les tirs au but en faveur des Foreurs qui semblent avoir le vent dans les voiles. C'est pas un scénario super là, pour les Tigres. Donc, qui va se terminer dans les prochaines secondes. C'est un match qui semble se diriger là, tranquillement vers une prolongation. Ouais! Tout un scénario. Ouais. Et il reste encore 2 minutes et 2 secondes à faire à la troisième période. La beauté du hockey, c'est qu'on suit notre équipe depuis le début de la saison, même depuis plusieurs années. Et là, ben, on se retrouve à un moment, j'ai envie de dire inespéré, Mathieu. Je calculais ce matin, c'est notre 920e match. À la description, mon père, soit toi et moi, soit toi, soit moi. Ça s'en fait. On est en territoire des Foreurs. La mise en jeu va reprendre à la gauche de Jonathan Lemieux. Abramov à la mise en jeu, devant gaucher. Mise en jeu remportée par les Tigres, mais on a plongé devant Tardy pour l'empêcher de lancer. Bien fait. Et Michel s'amène à 3 contre 2. Les Foreurs arrêtent à la ligne bleue. La Rochelle rejette au centre. Tardy récupère. Passe dans l'aile pour Frenette. Frenette traverse la ligne bleue et par le 10, mais suivant derrière. Tardy a tenté de récupérer. C'est perdu là. Contre-attaque à nouveau. Michel sur sa droite pour Duchamp. Duchamp au cercle, tente un tir, c'est bloqué. Frenette saute sur le retour. Frenette s'avance. Frenette à la ligne bleue adverse. Frenette, une feinte. Abramov récupère. Là, on a qui glisse. Le Pousson avait perdu un bâton. C'est La Rochelle. Feinte un tir. Et sa remise qui est ratée. La Rochelle à la ligne bleue. Il y a beaucoup d'espace pour Péroy. Laisse derrière pour Tardy. Le tir de Tardy. Arrête le mieux. Le jeu s'arrête. Un peu de dispute près du gardien là, avec Frenette et Villeneuve. On n'ira pas plus loin avec 1-23 à faire. À la troisième période. C'est 2 à 2 la marque. Tigres reprennent un peu de rythme dans cette 23e période. C'est la bonne nouvelle. Tardy qui se retrouve avec une rondelle là, haut des cercles après un tir. Là. Ça aurait pu être dévié, mais il n'y avait pas énormément de circulation devant le filet. Element à la mise en jeu, à la droite. Du gardien le mieux. Mise en jeu remportée par les Foreurs, c'est Bernard. Contourne son filet. Bernard, vers le centre, jeu intercepté par Deng, mais ne peut poursuivre l'attaque. Ça revient plus au roi dans sa zone. Il va de dégagement jusqu'en zone adverse. Thomas Pelletier vient reprendre. Pelletier remet vers Bernard. Bernard, à sa ligne début, va d'une longue remise au centre.
On a fait dévier. Dégagement qui est toléré. Sévigny vient reprendre. Moins de 2 minutes à faire à la troisième période. Chalkovic prend de reprendre une rondelle. Ça. Donc, c'est demeuré chez les Tigres. Tire de loin. Arrêt de Urtubiz. 52 secondes à faire à la troisième période. 2 à 2 la marque. Des enjeux là, très importants de territoire défensif là, dans la zone des Tigres. On va devoir être prudent, faire attention. Abramov s'installe à la mise en jeu devant Gaucher. Les enjeux remportés par les Foreurs, mais la rondelle glisse entre les deux défenseurs. Guenel vient reprendre, laisse à Spence. Spence entendu, le jette derrière le filet. Attention, ça fait drôle de bon, ça glisse vers Urtubiz qui vient en plus donner la rondelle. Coup de sifflet de l'arbitre. 45 secondes à la troisième période, 2 à 2 la marque. Moment critique ici, le match qui est sur la ligne. Des enjeux très importants et c'est Bocage qui ira la prendre. Gaucher devant lui. Remporté au final par les Tigres, Bocage décompte. Bocage devant lui pour Abramov, rejette la rondelle le long de la rampe. Sortie du gardien. Le gardien tente lui-même le dégagement. Arrêté par Abramov. Abramov pour Bocage à la pointe, rejette la rondelle dans le coin. 30 secondes. Légaré vient récupérer. Légaré. Dans le passage de coéquipier, remet derrière pour Spence. 20 secondes à faire à la troisième période. Spence pour Michel. Michel. À sa ligne bleue maintenant au centre. Ça mène territoire des Tigres. Remet vers l'enclave pour Légaré. C'est bloqué par Sévigny qui tente une contre-attaque. Sévigny qui remet à Tardy. 8 secondes. Tardy pour lui-même. Derrière le défenseur. Mise en échec solidement. Il avait été accroché également par Bernard. On laisse égrener les dernières secondes. Et voilà la sirène qui annonce la fin de cette troisième période. On ira donc en prolongation dans ce sixième match de la série finale de la Coupe du Président. Et là, Mathieu, je suis content qu'il y ait cet entrain, cet arrêt, parce que j'ai senti que les épaules ont tombé chez les Tigres lorsqu'on a marqué un but. Comme si on se disait, ah, ben là, on avait la chance, puis c'est terminé. Là, on s'en va dans une prolongation et tout peut arriver. Tout est permis. Là. Tout est permis tout du côté des Tigres. J'aimerais voir les Tigres sortir là, pour cette troisième période, vraiment là, avec l'instinct du joueur et avoir envie de jouer pour gagner, donc de jouer pour perdre. Allons, pour ne pas perdre. Pour ne pas perdre. Allons-y exactement. Avec le sommaire de cette troisième période, Mathieu. Un seul but marqué, la partie au Foreurs à 14-40. Jérémy Michel marque son cinquième des séries de Justin Ducharme pour permettre à son équipe de créer l'égalité 2 à 2 dans le match. Au niveau des tirs, ça s'est terminé 12-3 à la faveur des Foreurs. Total 34-14 depuis le début du match. Merci beaucoup, Mathieu. On va passer à l'entraque. On vous revient pour la première période de prolongation. C'est l'égalité 2 à 2 entre les Tigres et les Foreurs après 60 minutes de temps régulier. On a donc besoin de la prolongation pour déterminer le gagnant de ce match numéro 6. Si les Foreurs l'emportent, on aura un septième match. Demain, si les Tigres l'emportent, ça sera la Coupe. En direct de Québec, c'est l'Hockey des Tigres en masse de Victoriaville. On est de retour en direct de Québec. Match numéro 6 de la grande finale de la Coupe du Président. Et on a le droit à du surtemps. Ouais. Alors que les deux équipes font leur arrivée sur la patinoire. Un seul petit but sépare les Tigres de la Coupe. Un seul petit but sépare les Foreurs de la présentation d'un septième et ultime match dans cette série. J'ai hâte de voir le niveau d'énergie qu'on va présenter exactement. Sur la glace. J'ai hâte de voir également le niveau, de quelle façon on va se présenter. Est-ce qu'on jouera le même genre de match côté des Tigres, patient, et qu'on attendra les ouvertures ou on mettra de la pression dès le départ? Est-ce qu'on voudra terminer vite là, de part et d'autre? Ou, Jérémy Michaud... discuter avec les officiels. On n'a pas eu l'occasion de voir la reprise, mais sur le jeu, ça semblait être un dégagement sur le
le but des Foreurs. Mais bon, c'est passé. Maintenant, il faut s'occuper de la prolongation. Et les Tigres doivent générer de l'attaque. On est à 34 lancés pour les Foreurs, 14 pour les Tigres. C'est sûr que du côté des Foreurs, on a ouvert la machine. On a tenté le tout pour le tout. On n'avait pas le choix. On va voir si les Tigres seront en mesure de revenir au niveau de la première période. Ouais. Ils ont eu plusieurs chances de marquer. Pendant que les joueurs vont encourager leurs gardiens de but respectifs avant de se rejoindre à la ligne bleue. Abramov, Venette et Tardy sont là. Les arrières, Arsenault et La Rochelle. Chez les Foreurs, Duchamp, Gaucher et Michel. Il a marqué le but égalisateur. Les arrières, Bernard et Guenette. On est prêt à reprendre cette période de prolongation. Les enjeux remportés par les Tigres. Arsenault, beaucoup de pression exercée par les Foreurs. Le dégage au centre. Tire de loin de Guenette. Arrêt de Hurtubise. Arsenault remet derrière pour La Rochelle. Devant lui pour Frenette, pour Abramov. Abramov, Dallel, pour Tardy. Tardy applique les freins. Tardy, une feinte devant Bernard. Remet devant la rondelle élite dans l'enclave. Et on tente un dégagement, c'est raté. À la pointe, La Rochelle passe sur sa gauche pour Arsenault. Tire de loin, c'est arrêté devant le filet. Frenette qui a raté la rondelle au vol. Alors Guenette s'amène au centre, rejette la rondelle dans le coin. La Rochelle vient récupérer, contourne son filet, changement apporté chez les Foreurs. La Rochelle, longue remise, ça glisse vers le gardien. Il se doit d'emprisonner, on pourra compléter les changements chez les Tigres. Oui. Et profiter d'une mise en jeu zone adverse, 19-20 à la période de prolongation, 2-2 la marque. C'est terminé avec beaucoup de rapidité dès le départ du côté des Tigres, au territoire offensif. Bonne première entrée en matière pour les Tigres. À la droite de le mieux, mise en jeu remportée par les Tigres. Bocage, feinte un tir, pivot, revient sur ses pas. Bocage, amené près de la rampe, on est à deux là, pour tenter de lui soutirer la rondelle. Bocage remet dans le coin, Element à la ligne des buts, tente de remettre devant. Ça touche le gardien, mais un tir était hors cible. Voilà Poulin qui rejoint Jacob Pelletier qui décampe. Ça mène dans l'aile. Pelletier envoie le long de la rampe. C'est repris par Jaikovic, il laisse plutôt glisser. Voilà, Sévigny qui intervient. Element de l'arbre remet au centre, ça revient à Sévigny. Sévigny pousse devant lui. C'est récupéré par Guenette. Guenette s'amène en attaque. Guenette devant Roy, applique les freins, tente un tir. Dévie sur le bâton du défenseur des Tigres. Et ça se retrouve dans le filet protecteur. 18-44 à la période de prolongation. 2-2 la marque. Ça le match sous tension à chacune des entrées en territoire d'une équipe ou l'autre. Qui jouera les héros dans ce match? Ça prend un simple lancer, hein? Oui. Faut pas tenter le jeu parfait en prolongation. Les enjeux remportés par les Tigres, Pellerin. On remet derrière le filet. Ça rejoint Kalmikov. Kalmikov, il va d'un lob au centre, cueilli par Guenette. Retourne les Tigres chez eux. Tubise intervient derrière son filet. Ça permet à Arsenault de reprendre. Attention, jeu de couper. On remet dans l'enclave. Guenette tire de loin, dévié. Ça rate la cible. On se jette devant les lancers chez les Tigres. Tire qui dévie, tout juste à la gauche de Hurtubise. La mise à la pointe. Guenette, le long tableau pour Bernard. Bernard envoie contre la rampe. La rondelle qui donne sur le dos du filet. La Rochelle qui vient mettre en échec Michel. Ça permet à Pellerin de reprendre. Il laisse en retrait à La Rochelle. Le disque est récupéré par Robida. Robida ressort à la gauche du gardien. Il utilise la rampe pour remettre à la pointe pour Guenette. On a apporté des changements. Attention. Oui, attention. Coulomb qui remet vers le centre pour Kalmikov. Ça avance à un contre un avec Guenette qui vient le mettre en échec. On peut apporter des changements. Là, le problème de la prolongation pour les Tigres, c'est que le banc est loin. Oui. 17-55. À la première période de prolongation, Sévigny remet vers le centre pour Tardy Abramov. La rondelle qui on appelle hors-jeu. La rondelle qui me semblait là, être dans le territoire, mais c'était serré. On prend pas de chance. On a appelé l'arrêt de jeu. 17-47 à faire à la période de prolongation. 2-2 la marque. Abramov devant Gaucher. Enjeu remporté par les Tigres. Sévigny. Il remet devant lui pour Abramov. Abramov pour Frenette. Une ouverture. Ça avance. Laisse attendre. Tire sur réception. Il rate complètement la cible. Dégagement tenté. C'est bloqué par Abramov. Relais prenne la rampe. Laisse à Frenette. Frenette veut couper devant le filet. Frenette devant le filet. La rondelle qui est repoussée contre la rampe. C'est Péoroy qui vient cueillir. Péoroy va dans le coin pour Tardy. Laisse glisser derrière pour Frenette. Il a marqué le but en prolongation. Ouais. La seule prolongation de cette série. C'est ce qui est perdu par les Tigres. C'est les Foreurs qui tentent d'amener une attaque là, dans l'aile. Michel, rattrapé par Péoroy, lui vole la rondelle. Roy s'installe derrière son filet. Attendu par Michel, rappelé à son banc.
On fait le même chez les Tigres, là, Abramov et Frenette qui s'en vont changer. Roy, on sera à la gauche de son gardien. Roy Cafouille avec la rondelle, revient sur ses pas. C'est défait de la pression. Remise vers le centre qui rejoint Elemen. Elemen sur son revers, ça mène au centre. Amène la rondelle, zone adverse, à la ligne bleue. Voilà Tardy qui s'avance vers le filet. Tardy dans le coin. Tardy passe à la pointe pour La Rochelle. Une feinte, le tir arrêté devant le filet. Le retour, content de reprendre chez les Tigres. C'est Deglito au bout de son bâton, n'a pas été en mesure de tirer. Contre-attaque des Foreurs. On s'amène à 3, remise de Poulin vers Jacob Pétier. Pétier, son tir, arrêt d'Ortubis. Le retour de l'autre côté. Villeneuve vient reprendre après le rebond contre la rampe. Son lancer est bloqué. Voilà, Bocage qui laisse derrière son filet. Pour La Rochelle, 16-23 à faire. Daigle rattrapé par Bernard. Bernard contourne son but. Remet devant, c'est intercepté. Bocage, un tir. Arrêt du gardien Lemieux. Fait dévier sur sa gauche. 16 minutes 10 à faire à la période de prolongation. Dégagement envoyé à l'autre bout. C'est toléré. Féoroy derrière, en contact avec Légaré. Dans le coin, Sivigny vient reprendre. Sivigny, c'est défait. L'insistance de deux adversaires. On rejoint Element. Element s'amène sur l'aile. À la ligne rouge, Element. Une feinte devant Spence. Element reprend. Son tir, arrêt du gardien rondelle qui a dévié sur Bernard, là, sur le tir de Element. Bel arrêt de Lemieux. 15-45 à faire à la période de prolongation. C'est 2 à 2 la marque. C'est mettre la pression en début de période de prolongation. J'aime beaucoup l'énergie qu'on déploie. Dégagement envoyé à l'autre bout. On apporte des changements chez les Foreurs. P.O. Roy, derrière son filet. Roy passe à Sivigny. Sivigny, il va d'un lobe vers le territoire adverse. C'est rondelle qui bondit devant Michel. Dégagement toléré. Voilà, derrière le filet, c'est Coulombe qui reprend. Il a marqué le premier but de son équipe dans le match. Dans le coin, il y a Michel qui se mêle de la mêlée. Disque qui est envoyé à la droite du gardien. Le milieu s'est récupéré par les Foreurs qui quittent leur territoire. Gaucher d'aller une passe vive pour Michel qui a été stoppé par La Rochelle. La Rochelle vient reprendre profondément dans sa zone. À de l'espace. Ça s'est refermé avec l'arrivée de Tchaïkovic. Remise vers le centre. C'est Abramov qu'on a fait shooter. Le Poulin s'en tire. Voilà Abramov qui reprend. Remise devant lui pour Coulombe. Il va d'un rejet derrière le gardien Jonathan Lemieux. Changement apporté chez les Tigres. 14-40 à faire à la période de prolongation, la première. On va qu'il reste au centre, c'est Pétier qui a le disque près de lui. Rejoint Poulin, s'amène sur la droite. Poulin s'avance sur son revers, repoussé par Sivigny. Sivigny reprend contrôle. Oh, ça passe directement sur le bâton de Villeneuve, mais Rondette qui est envoyé dans le coin. Ça a dévié le passage. Tardy qui va de dégagement, qui tombe au centre. Villeneuve remet devant lui immédiatement. Voilà, Sivigny qui récupère à sa ligne bleue. Passe devant lui, c'est intercepté. Contre-attaque des Foreurs. On est à 3. Voilà, Robida laisse Tchaïkovic. Son tir bloqué par P.O. Roy. Spence reprend. Il est sur son revers. 20 mètres devant le filet. Sivigny qui vient couper. Spence contourne le but. S'amène derrière. Laisse à contre-courant pour Jacob Pétier. Derrière le filet, Tchaïkovic, on veut remettre devant. Intervention du gardien. Sivigny peut reprendre. Courte remise pour Tardy qui quitte son territoire. Tardy arrêté devant le banc adverse. Va revenir sur ses pas. Transversal pour P.O. Roy. P.O. Roy. Il va d'un lob sur sa droite, bloqué par Guénette. Elle passe avec la main, mais intervention de Sivigny. On ramène la rondelle à zone adverse. C'est Tardy qui pousse pour lui-même, mais Guénette qui est venu le stopper. 13-40 à faire à la période de prolongation. 2 à 2 la marque. On va l'envoyer le long de la rampe. C'est Doucet qui laisse libre. Intervention de Element. Element qui va de dégagement. Ça rejoint Bocage. Bocage du revers remet vers le centre pour Deg qui s'était derrière lui. Guénette s'avance et rejette à la droite du gardien Ortubis. Voilà, Sonneau fait circuler long de la rampe. Dévié par Deg pour Element. Ça mène en attaque pour Bocage. Bocage coupe entre les deux défenseurs. Son tir bloqué devant lui. Bocage envoie le long de la rampe. C'est La Rochelle qui s'est avancée. La Rochelle dans le coin pour Bocage. Voilà, rondelle sauter au-dessus de son bâton. 13 minutes et des poussières à faire à la première période de prolongation. Il y a de l'espace pour Bernard. Bernard rejette la rondelle dans le coin. Profite de la vitesse de Duchamp, mais dépensé par Arsenault. Attention, Arsenault perd derrière. Duchamp reprend du coin. Il veut remettre devant. C'est intercepté par Deg. Deg en sortie de territoire, passe sur sa droite pour La Rochelle qui vient appuyer l'attaque. La Rochelle envoie le long de la rampe. On est rapide pour des changements chez les Tigres. Lemieux intervient derrière son filet, remet à Thomas Pétier. 12 minutes 35 à faire à la période de prolongation. Voilà Poulin qui s'amène zone adverse. Poulin tire du revers, arrêt de Hurtubis, rate son propre retour. Abramov reprend. Abramov devant lui pour Tardy. Tardy traverse ligne bleue adverse. Tardy, mise en échec par Spence. La rondelle glisse derrière, c'est Frenette qui vient reprendre. Peut circuler à la rampe. À la pointe, c'est Sivigny qui reprend. Sivigny devant lui pour Abramov. Dans l'enclave, tire, dévié devant le filet. Arrête le mieux. Frenette qui saute sur le retour près du gardien.
derrière, remise à la pointe, traitée par Abramov, et ça se transforme en dégagement gratuit au profit des Foreurs. 12 minutes et des poussières à faire à la période de prolongation. C'est Vini, longue remise vers le centre. Renette est capable de cueillir, Guénette le surveille. Guénette réussit à rejeter chez les Tigres. C'est P.O. Roy qui vient reprendre. Derrière son filet, Roy applique les freins pour remettre à Renette. Renette vers le centre pour Tardy, c'est un peu long. C'est repris par les Foreurs. À la Doucet. Attendu par Frenette, laisse en retrait. Remise dans l'aile pour Doucet. Doucet s'amène entre les deux défenseurs. Doucet, son tir, arrêt de Tubise. Fait des vies sur sa gauche. À chaque lancer, on entend la foule réagir. Villeneuve, du centre de la patinoire, va d'un tir de loin. Arrêt de la mitaine de Tubise. Dépose la rondelle à P.O. Roy. Roy, il va d'un homme. Sans arrêt de jeu. Un dégagement qui s'envoyait à l'autre bout. Un dégagement. On va refuser. Bernard a arrêté de patiner. 11-23 à faire à la période de prolongation. Est-ce qu'on va demander un temps d'arrêt chez les Tigres? Je ne serais pas surpris, Mathieu. Là. 11-23 à faire à la période de prolongation. C'est qu'il n'y a plus de temps d'arrêt. Là. Ouais. Le pause télé qu'on appelle. On essaie de ne pas demander de temps d'arrêt. On va prendre la gauche de Urtubis. Il fera la mise en jeu. L'envoie vers Sivigny. Sivigny calme le tout, laisse derrière pour P.O. Roy. Roy retourne derrière pour Sivigny. Sivigny devant lui. Pour Kalmykov, Félévier au centre. Intervention de Gaucher. Gaucher qui rejoint Duchamp. S'amène sur l'aile gauche. Derrière, pour Bernard, son tir. Dévi dans le coin. Derrière le filet, c'est Michel qui a la rondelle. Michel tente de remettre de devant. Utilise la rampe pour remettre à la pointe pour Spence. Spence avance. Près du but pour Michel qui revient à la pointe. Passe pour le gardien. Attention là pour Spence. C'est la sortie des Tigres. C'est Kalmykov qui s'amène sur l'aile droite. Kalmykov rejette la rondelle derrière le filet. Pellerin qui est là, mise en échec. Les Foreurs reprennent. Gaucher. Devant lui pour Jacob Pelletier. Ça mène ça de son camp. Pelletier coupe entre les deux défenseurs. Son tir bondit dans le coin. Il a fait perdre le bâton de Arsenault sur le lancer. Et c'est Elleman qui récupère. Elleman en entrée de territoire, en vitesse, rattrapé par Poulin. Beau jeu défensif. Ouais, et Guénette qui laisse dans l'aile pour Pelletier. Pelletier tente un tir. Il a fendu l'air devant la Rochelle qui lui soutire la rondelle, mais c'est repris par les Foreurs. Tchaikovitch qui envoie en retrait. C'est un dégagement qui est toléré parce que c'est les Foreurs qui l'ont tourné dans leur zone. Attention derrière le filet, il y a Petit qui fait une chute. Et Bocage remet dans l'enclave. Le tir qui rate la cible. Dès qu'il a failli jouer les héros. Oh. Et voilà Doucet qui contre-attaque. Doucet en entrée de territoire. Laisse aller Garé. Légaré sortir. Touche la barre horizontale. Et la rondelle se retrouve chez les spectateurs. 9,54 à faire à la période de prolongation. On passe une courte pause. En direct de Québec, c'est 2-2 entre les Tigres et les Foreurs. Vous écoutez l'Hockey des Tigres, Mazda Victoriaville. On est de retour en direct de Québec. 2-2 entre les Tigres et les Foreurs. On est en période de prolongation. Match qui est absolument sur la ligne. Les deux équipes ont eu de bonnes chances depuis le début de cette prolongation. Mais ni l'une ou l'autre des équipes tranche le débat actuellement. Quel match de hockey, Pascal, on a droit aujourd'hui. Quelle période de prolongation. Hein? On essaie beaucoup de rythme. Là. Ouais. On joue pour gagner, en tout cas, du côté des Tigres. Exactement. Puis là, c'est, on profite des erreurs de l'adversaire pour s'offrir des chances. Et la fatigue, là. La fatigue, plus ça va avancer, plus là, j'ai l'impression que ce qui va coûter le match à l'une ou l'autre des équipes, c'est une erreur mentale, une erreur de fatigue. Les enjeux remportés par les Foreurs. C'est Doucet, il est près de la rampe. À la ligne début, maintenant derrière le filet, bousculé par Arsenault. Tente de s'en défaire. Passe à la pointe pour Villeneuve. Le long de la bleue. Tire sur réception, dévié vers le gardien. Arrêt de Tubis.
Dégagement qui est arrêté à la pointe par Spence. La main devant lui pour Légaré. Le tir de Légaré amorti devant le filet. C'est repoussé par Urtubise dans le coin. Sortie tentée. Attention, on l'a conservé là, par Villeneuve avant territoire des tirs. Villeneuve s'avance à la ligne du but. Revient devant le filet. Il a tenté un tir. On a fendu l'air au retour. Spence reprend. Spence. Pivote dans le coin. Au sarondelle. D'une seule main pour lui-même. Mais c'est Arsenault qui vient reprendre. Arsenault remet vers le centre pour Frenette. Frenette s'amène dans l'aile. Ralenti. Faible remise vers le gardien. Il n'y avait personne pour compléter. C'est Villeneuve qui remet à Spence. Derrière le filet pour Villeneuve. 9 minutes 5 à faire à la période de prolongation. Alors Jacob Petit qui laisse en retrait pour Villeneuve. Remise devant le filet pour Spence. Spence s'avance dans l'aile pour Villeneuve. C'est dans ses patins. Rondelle qui est rejetée derrière le filet. L'intervention d'Urtubise qui remet lui-même vers Bocage. Bocage fait dévier vers Element pour Bocage. Bocage s'amène territoire adverse. Bocage traverse la ligne bleue. Bocage, sur son revers, faible tir, arrêt de Jonathan Lemieux. Le jeu s'arrête. 8:42 à faire à la période de prolongation. 2-2 la marque. C'est jamais une mauvaise idée en prolongation, Pascal, d'envoyer des rondelles comme ça au filet. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Le gardien peut être nerveux, ça peut dévier à un endroit. Bonne décision de la part de Bocage. Element s'installe au 7 des mises en jeu. Derrière lui, Bocage. C'est grand l'occasion d'écrire l'histoire cet après-midi. Les enjeux remportés par les Forains. Guénette passe sur sa gauche pour Duchamp. Duchamp de l'autre côté pour Gaucher. Gaucher s'avance. Son tir bloqué par Sévigny. Sévigny fait chuter Gaucher. On remet derrière le flanc. On veut remettre devant le filet. Ça glisse à la pointe. Guénette se déplace. Son tir qui dévie dans le coin. Gaucher qui perd. Là, Duchamp qui a voulu remettre devant. C'est intercepté par Element. Element s'amène sur l'aile. Arrive à la ligne rouge. Rejette faiblement. Zone ennemie. Rappelé pour un changement. C'est Michel qui laisse derrière son filet pour Guénette. Longue remise au centre pour Gaucher. Gaucher récupère la rondelle. Gaucher, sur son avant, remet pour Duchamp. Un tir de Duchamp qui dévie. C'est La Rochelle qui s'empare de la rondelle. Le tour est à rendre pour rejoindre Coulombe. Coulombe est arrêté. Rondelle qui est retournée là, en territoire des Forums. Il y avait hors-jeu. Ouais. Joueur qui n'était toujours pas à son banc en entrée de territoire. Moins de 8 minutes à faire à la première période de prolongation. 2-2 la marque. On entre dans la deuxième portion de cette prolongation avec les bancs là, qui sont très loin et où là, la fatigue pourrait commencer à se faire sentir d'un côté ou de l'autre. Surtout que là, on a coupé le banc drastiquement. Les Tigres jouent à 3 trios et à 4 défenseurs. Et c'est à peu près la même chose chez les Foreurs. Abramov à la mise en jeu devant Poulin. Mise en jeu remportée par les Foreurs. Spence passe pour Thomas Petit. De la ligne rouge, il envoie la rondelle vers le gardien Urtubise qui décide de conserver. Le jeu s'arrête. 7:49 à la période de prolongation. 2-2 la marque. Mise en jeu très importante, zone défensive de la part des Tigres. C'est le gros trio qui est dans la mêlée chez les Foreurs. Mise en jeu remportée par les Foreurs. Dans l'encadre, un tir qui dévie dans le coin. Péorois repose plus loin, c'est Poulin qui s'empare de la rondelle. On est près de la rente par Abramov, par le 10. C'est Péorois qui tente un dégagement. C'est arrêté à la pointe, on retourne vers Poulin. Poulin, ils sont lancés. Arrête la mitaine de Urtubise, le jeu s'arrête. C'est 35. À la période de prolongation, c'est un 40e lancé. Ouais. Il n'y en a que 18 pour les Tigres. Nicolas Urtubise est tout feu, tout flanc. Et là, le problème, par contre, pour Urtubise, c'est qu'advenant une défaite, le match de main vient vite. Oui, oui, exact. Les enjeux remportés par les Tigres. Voilà, Frenet. On parlera demain quand on sera rendu demain. Tire de loin vers le gardien Lemieux. Lemieux qui amène la rondelle derrière son filet. Laisse libre. À intervention de Abramov derrière le but. La rondelle est coincée près de son patin. Il attend qu'il est là également. Rondelle qui ressort au profit de Poulin. Et Poulin de camp. Ça amène au centre. Poulin du revers pour Petit. C'est trop long. Intervention de Roy. Fait dévier vers le centre. Alors Abramov qui récupère. Passe dans l'aile pour Sévigny. Vient appuyer l'attaque. Sévigny de la ligne bleue rejette derrière le filet. Sortie de Lemieux qui retourne le long de la rampe pour Poulin. Alors Poulin qui s'avance du revers. Il va d'une longue remise. Oh! C'est dans les gradins. Il y aura pénalité. Est-ce qu'il était? Il était dans son territoire. J'ai l'impression, Mathieu, qu'il était dans son territoire. On se consulte chez les officiels. Quel moment important. Oh oui, c'est une grosse décision, là, les officiels. C'est une grosse décision. Mais je pense que oui, là. Ouais. On va le chasser. Avantage numérique des Tigres. Les Tigres ont la victoire, Pascal. On va le revoir ici. Poulin, dans son territoire. Oui. Avantage numérique des Tigres, l'avantage numérique le plus important de la saison des Tigres, je vais te dire, Pascal, des 19 dernières années. Et Carl Mallette, qui a fait la pluie et le beau temps
avec l'avantage numérique là, lorsqu'il est entraîneur adjoint. On va vous demander le temps d'arrêt. On va demander le temps d'arrêt. Voilà. Mathieu, je sais pas si tu te souviens, mais je t'ai dit un peu plus tôt, hors des ondes, que ce match-là pourrait même se décider sur une rondelle envoyée dans les cravates. Tu m'as dit ça. Temps d'arrêt demandé par les Tigres. C'est l'avantage numérique le plus important de l'histoire des Tigres. Oh là là. Et le désavantage numérique, probablement un des plus importants de l'histoire des Tigres. Carl Mallette lui-même qui va, bien entendu, installer la stratégie avec ses éléments dans la mêlée. Il faudra faire attention du côté des Foreurs. On peut peut-être être agressif, justement, forcer les Tigres à faire des jeux. Je suis persuadé que c'est ce qu'on va faire. Alors, temps d'arrêt demandé par les Tigres, il y a pénalité à Samuel Poulin. Il a envoyé la rondelle chez les spectateurs à partir de sa zone défensive. Une partie qui descend un petit peu là, en territoire. Il a envoyé en territoire des Tigres, même. Oui. On va reprendre à la droite de Lemieux. Avantage numérique des Tigres. Élément devant gaucher. Les enjeux remportés par les Tigres. Bocage laisse à Sivigny à la pointe. Le long de la bleue pour Abramov. Près du filet pour Element. Element qui a fouillé quelque part avec la rondelle, mais rejoint Tardy. Pour Abramov à la pointe. On s'installe. Pour Sivigny, on est bien installé. Pour Bocage. Bocage s'avance. Sortir. Il rate la cible. Ça ressort de l'autre côté. Abramov conserve. Territoire des Foreurs. Abramov à la ligne bleue. Pour Sivigny. Sivigny échappe la rondelle, mais c'est repris par Tardy qui laisse dans le coin pour Bocage. À la pointe pour Sivigny. Sur sa droite pour Abramov. Faites un tir. Retourne à Sivigny. Faites un lancer. Pour Bocage. Bocage. Se déplace. Bocage. Sortir. Arrête le mieux. Il n'y a pas de retour. Element qui était tout près. Oui, pour prendre un retour. Belle réussite de mieux. 6-25 à faire à la période de prolongation. Reste beaucoup de temps au Tigre. 1-28 à faire. J'aime la phase de calme avec laquelle on se distribue la rondelle et on a déjà pris là. Deux bons tirs sur le gardien Lemieux. Le premier, cependant, de Bocage a raté la cible. On s'installe à la droite de Lemieux. Toujours les mêmes éléments qui sont là chez les Tigres. Element devant gaucher, c'est à nouveau remporté par Element. Abramov refile la rondelle à Bocage. Pour Sivigny, sur sa droite, pour Abramov. Tire sur réception, dévie dans le filet protecteur. 6-18 à faire. Et là, le danger pour les Tigres, si on ne marque pas, c'est qu'il y a des canons, des gros joueurs chez les Foreurs qui seront très reposés. Ouais. Et chez les Tigres, là, on surutilise des éléments actuellement et c'est normal. Element à la mise en jeu. Toujours devant gaucher, Jacob Pétier est allé chercher un nouveau bâton. À la gauche du gardien des Foreurs. Element, troisième mise en jeu remportée. Bocage voit la rondelle sauter sous son bâton. Va revenir dans son territoire pour chasser par Jacob Pétier. Il file la rondelle à Sivigny. Sivigny devant son filet. Passe sur sa droite pour Bocage. Bocage au centre. Amène la rondelle zone adverse. Passe pour lui-même derrière la défensive. Gaucher vient de devancer derrière le filet. Il laisse à Thomas Pétier. Dégagement qui est touché par Element. Là, c'est Jacob Pétier qui a tenté de sortir la rondelle. C'est demeuré coincé momentanément chez l'adversaire. Voilà Tardy du centre de la patinoire. Amène zone ennemie, rattrapé par Jacob Pétier, mais par c'est Bocage qui reprend devant Tardy pour Element de tir, il rate la cible. Qu'est-ce qu'on vient de rater de chance? On rate des chances en or chez les Tigres. Dégagement tenté, conservé profondément chez les Foreurs. Element du coin de la patinoire, laisse la rondelle libre pour Abramov. Element à la pointe pour P.O. Roy. P.O. Roy se déplace. Roy s'avance sur sa droite, tir frappé qui rate la cible. Bocage reprend. Finalement, à la pointe, tir Roy. Roy tire de loin. Bloqué devant le filet, c'est Villeneuve qui reprend et Villeneuve qui va de dégagement à l'autre bout. Quelle chance on a raté chez les Tigres. 20 secondes, le temps d'une dernière poussée chez les Tigres. P.O. Roy derrière son filet, s'élance, ressort à gauche. À la Roy, sur sa droite pour La Rochelle. La Rochelle envoie l'autre de la rampe. Intervention de Lemieux. Dans le coin, Guénette qui protège la rondelle, c'est repris par Coulombe. Coulombe en bataille, là, près de la rampe. Avec moins de 5 minutes à faire, Poulin de retour au jeu, mais La Rochelle à la rondelle, son tir, arrête le mieux. La rondelle qui bondit très haut dans le coin, c'est repris par Frenette. Mais Poulin qui vient de sauter dans la mêlée d'énergie, reprend la rondelle, transporte attention. Jusqu'au centre. Voilà Poulin en pleine vitesse. Devant La Rochelle qui l'amène près de la rampe. Intervention de Dale qui laisse à La Rochelle. Devant lui pour Poulon, l'éthique s'amène en attaque. Une remise pour Frenette, mauvaise réception de ce dernier. Revirement, c'est Légaré qui s'amène en attaque. Légaré. Tente de déborder Roy. Légaré veut revenir devant. Tire, arrêt de Urtubise. Coulombe.
On va reprendre dans le coin de la patinoire, laisse derrière pour voir, on sent la fatigue. Là. Voilà, on sent la fatigue, on est pris là, chez les Tigres. La mise à la pointe, Thomas Pelletier, tire de loin, arrêt d'Ortubise, le retour, oh là Jacob Pelletier qui voit Charles Larochelle repousser la rondelle devant lui. Disque qui est envoyé le long de la rampe, c'est conservé par Thomas Pelletier, territoire adverse, mais Roy reprend. Et Roy s'amène jusqu'à la ligne rouge, tente de rusher la rondelle, zone adverse, les mises en échec en fin de présence, pendant une rondelle qui est lobée, zone ennemie, on a porté des changements chez les Tigres. Attention! Jacobitch dans l'aile, Jacobitch, tu lèves devant le filet, et le disque qui saute au-dessus du bâton de Jacob Pelletier. On vient de rater une belle chance aussi chez les Foreurs. Voilà Fournier, il tente de pousser pour lui-même. Zone adverse, hors jeu retardement, la rondelle qui est reprise par Pellerin. On voit le disque le long de la rampe. Kalmykov part à la poursuite, s'amène près de la rampe, bousculé. Un tir qui rate à la droite du gardien. 3 minutes 33 fin à la première période de prolongation. De là, bon envoi, zone adverse, là, il y a hors jeu. 3-28 à jouer la première période de prolongation. C'est 2-2 la marque. Oh là là. Match qui est sur la ligne. Les deux équipes qui ratent des chances en or. On sent la tension, on sent la nervosité. On voit la reprise là, sur cette passe soulevée là, qui a passé par-dessus le bâton du joueur des Foreurs. On reprend la ligne 2 des Foreurs. Les enjeux remportés par ces derniers. Guenette. Le cercle en cercle pour Villeneuve. En territoire des Foreurs, Villeneuve s'avance, laisse en retrait pour Guenette. Vers le centre. Jeu qui est stoppé par Abramov. C'est Frenette qui s'amène. Rejette dans le coin. Derrière le but, Villeneuve. Mise en échec par Cardiff. En train d'éviter la mise en échec. Ça permet à Frenette de s'amener. Rodette qui bondit là, dans le demi-cercle du gardien, repoussé par les Foreurs. Frenette, la rondelle contre son corps. Laisse à Abramov. Abramov cherche un option de passe. Il est près de la rampe, harcelé par deux adversaires. Abramov qui se défait d'un premier adversaire. Laisse derrière le filet pour Frenette. Frenette du coin. Il n'y a pas d'option. Laisse à Abramov. Veut remettre dans l'enclave. Passe qui est ratée. Et les Foreurs qui tentent de s'amener en attaque. Rondelle qui est dégagée, c'est Sévigny qui s'amène. Sévigny s'est avancé quelque peu, il trichait de l'autre côté. Sévigny rejoint Tardy vers le centre pour Abramov. Alors Abramov va entrer le territoire. Une feinte devant Bernard. Bernard ne mord pas. Il y a revirement. Oh, attention. Remise au centre, deux contre les Foreurs. Avec Duchamp qui s'amène dans l'aile. Duchamp sorti. Arrête de garder le retour. Et Urtubis qui ferme la porte. Nicolas Urtubis. Quel arrêt de Nicolas Urtubis. Justin Duchamp s'en veut. Il a été époustouflant sur la dernière séquence. Il a même bloqué le retour de Duchamp. 2 minutes 25 à faire à la période de prolongation. Duchamp est allé d'un bon lancer à Urtubise et le retour Urtubise étire la jambière droite et il ferme la porte et Duchamp n'en revient pas. On s'installe à la droite de Nicolas Urtubise. Les enjeux remportés par les Foreurs. Retire qui dévira la cible. Élément qui va de dégagement jusqu'à la ligne bleue adverse. Spence vient reprendre derrière son filet. 2 minutes 10 à la période de prolongation. 2-2 entre les Tigres et les Foreurs. Voilà Poulin qui rejoint. Sur sa droite pour Jacob Pelletier. Pelletier s'avance. Une feinte. Peut remettre devant. Il n'y a personne pour compléter de l'autre côté. Repli défensif solide des Tigres. Element au centre pour Deg. Deg a raté une belle chance un peu plus tard en période de prolongation. Il est bloqué par Spence. La rondelle glisse dans le coin. C'est Bernard qui laisse libre pour Spence. Contourne son filet. Passe sur sa gauche. On remet vers le centre pour Poulin maintenant. Poulin, là, prise avec un disque bondissant, provoque lui-même l'enjeu. Faut-il être arbitre? 1,45. Là, les deux équipes, ils vont le tout pour le tout, hein? Parce qu'on ne pense pas au match de demain de la façon qu'on joue. À gagner ce match, autant les Tigres veulent en terminer ce soir et autant les Foreurs tentent de rester en vie. Voilà Pellerin qui s'amène devant gaucher. Enjeu remporté par les Foreurs. Guenette va d'un tir de loin vers Urtubise. Ce dernier en prison ne prend pas de chance. On arrête le jeu. 1,40. C'est un 45e lancé. Envoyé vers Urtubise. Toute une performance du gardien des Tigres. Il a été sublime ce soir. Peu importe l'issue du match, de loin la première étoile de ce match. Les enjeux remportés par les Tigres. Arsenault laisse derrière à Sévigny. Envoie le long de la rampe. Il rejoint Kalmykov aux prises avec Gaucher. Ça permet à Guenette de recevoir la rondelle. Tire de loin. Arrêt du gardien. Gaucher reprend. Derrière les filets. On veut remettre devant. Ça glisse à la pointe. Guenette envoie la rondelle. Donc, ça va vers le filet. Et là, c'est Eferro vol par Pellerin qui vient reprendre derrière le filet. Envoie le long de la rampe. Mais Thomas Pelletier reprend. Passe devant lui pour Gaucher. Gaucher dérangé par Pellerin. Et c'est Coulombe qui peut récupérer. Il utilise la rampe pour remettre vers le centre pour
Kalmykov fait dévier derrière la défensive adverse. C'est en jeu. Ouais, dégagement, refus au tigre. Il n'y a plus de temps d'arrêt, là. On est pris avec des éléments fatigués dans la mêlée. Et attention, premier trio des Foreurs qui s'amènent dans la mêlée. Pas un bon moment. Drôlement important. 68 secondes à la période de prolongation. À la gauche de Urtubix. 2 à 2 la marque. Poulin devant Pellerin. C'est le bataillé jusque derrière le filet. Arsenault qui est venu coincer l'adversaire. Dégagement tenté, c'est arrêté par Villeneuve. Villeneuve envoie du revers derrière le filet. On veut remettre dans l'enclave. Ça passe à la droite du gardien. Spence s'avance pour garder la rondelle. Son tir rate complètement la cible. On s'amène rapidement sur la rondelle. C'est Pelletier. Tire de la ligne bleue dans la circulation. Bloqué par Sévigny. Coulombe qui réussit à remettre sur sa gauche pour Pellerin. Les tirs qui peuvent dégager maintenant et apporter des changements. 40 secondes à faire à la période de prolongation. Ce match-là ne veut pas terminer. Villeneuve vers le centre pour Poulin. Refil à Légaré. Légaré de l'autre côté pour Pelletier. Tire, arrêt du gardien. Le retour devant. De poussé par Abramov. Son dégagement raté. Derrière le filet, Poulin tente de remettre devant. On l'a empêché. Dégagement tenté à la pointe qui est arrêté par Spence. Tire de loin. Urtubix fait dévier sur sa droite. La Rochelle qui remet devant lui pour Tardif. Tardif en entrée de territoire. Laisse la rondelle à Abramov qui va d'un lob près du gardien. Intervention de Tardif veut remettre devant, mais c'est bloqué. Spence qui laisse de l'autre côté. Guénette rattrapé par Abramov. Abramov court vers l'enclave. Abramov sortir. Bel arrêt du gardien est là. Fenêtre qui a été frappé au visage à la fin de la période. Et la période qui prend fin. 2 à 2 l'égalité entre les Tigres et les Foreurs. Ça ne veut pas se terminer. Quel match de hockey! On aura besoin d'une deuxième période de prolongation. Oh là là. Et les deux équipes qui vont retraiter au vestiaire après avoir donné tout un spectacle en prolongation. 48 tirs, Pascal, par les Foreurs, 21 par les Félins. C'est tout un match de hockey pour Nicolas Urtubix. Et là, ce qui se passe dans les vestiaires, là, c'est du repos. Ah oui, là, faut charger les batteries. Il faut trouver tous les moyens nécessaires pour reprendre un peu d'énergie. Aïe. Bien, sommaire, Pascal, oui, assez simple. Aucun but a été marqué au cours de cette période. Et le sommaire de la période est le suivant. Alors que au niveau des tirs, on a dominé 12-6 du côté des Foreurs total. Alors même plus 14-6 du côté des Foreurs total, 48-21. Merci beaucoup, Mathieu. On passe à l'entraque. On vous revient pour le début de la deuxième période de prolongation, la cinquième période de ce match. C'est toujours l'égalité 2 à 2 entre les Tigres et les Foreurs. C'est la finale de la Coupe du Président. Si les Tigres marquent, ils repartent avec la Coupe. Si les Foreurs l'emportent, on provoque un septième et ultime match. À tantôt. On est de retour en direct de Québec. On se prépare à amorcer cette cinquième période, la deuxième période de prolongation. Toujours à la recherche d'un gagnant dans ce match. Oui, mon cher Pascal. 2 à 2 la marque. La grande vedette de cette rencontre, le gardien des Tigres, Nicolas Urtubix, qui a réalisé 46 arrêts sur 48 tirs, dont 16 tirs dangereux. Là, ce sera intéressant de surveiller le niveau d'énergie de chacune des deux équipes qui a joué avec des alignements réduits là, toute cette période de prolongation. On a joué essentiellement à 4 défenseurs de part et d'autre et à 2 trios et demi, je te dirais, là, 3 trios si on veut être généreux. Pendant qu'on montre des joueurs qui ont eu énormément de temps de glace, c'est le cas de Vincent Sévigny. Probablement le joueur le plus utilisé chez les Tigres. Chez les Foreurs, on peut passer la même chose de Jordan Spence. Absolument. Ah, Jordan Spence a passé une marche sur la patinoire, Pascal. C'est de loin, à mon avis. On n'a pas, pas accès aux statistiques, mais je crois sincèrement que c'est le défenseur, c'est le joueur qui a passé le plus de temps sur la patinoire pour les deux équipes. Alors voilà. On fait confiance chez les Tigres. On fait un petit changement du côté des Foreurs à la défense.
Alors, c'est les Tigres. Abramov, Frenette, les Tardifs. La Rochelle et Arsenault sont les arrières. On s'en va en deuxième période de prolongation. Duchamp, Gaucher et Michel sont là. Qui marquera le but qui amènera les deux équipes en septième match ou qui permettra au Tigre de sauver la Coupe du Président? Abramov devant Gaucher, là, c'est remporté par Abramov, puis Michel est allé toucher à cette rondelle pour l'amener derrière la défensive des Tigres. C'est Tardy qui décampe. Tardy s'amène sur l'aile droite. Tardy pour sa rondelle derrière la défensive. A été mise en échec, dégagement toléré, intervention de Spence. On va long de la rampe pour Gaucher, Pélévier vers le centre, ça rejoint Michel. S'amène devant Roy. Michel, son tir, arrêt de Urtubise, dépose la rondelle tout près de lui pour Roy. Roy derrière le filet pour chasser par Pelletier. Là, il a failli perdre la rondelle. On rejoint Tardy. Tardy devant lui pour Abramov. Abramov, on a un tir de loin, arrêt de Lemieux, dépose la rondelle et dégage. Jusqu'au centre, ça rejoint Jacob Pelletier. Pelletier du revers rejoint Poulin. En entrée de territoire, Poulin. Quand un tir, ça partit devant le filet, ça a touché Sévigny. Mais Urtubise fait l'arrêt. Oui, il a été d'un calme olympien tout au long de ce match, Nicolas Urtubise. Tu l'as mentionné à un moment donné en prolongation. S'il y a de la nervosité là, dans les gradins ici sur la galerie de presse, peut-être même chez certains joueurs, lui, il ne semble pas connaître ça, la nervosité. Il est très calme devant son filet. En effet. On reprend à la droite de Urtubise. Poulin devant Bocage. C'est remporté par Bocage. Roy derrière son but. Envoie le long de la rampe pour Element. Fait des vies jusqu'en territoire adverse. C'est un dégagement qui est toléré. La rondelle a été fleurée au passage. Genève vient reprendre derrière le but par la rondelle. Devant. Là, tu mises. Et voilà le but! Wow! Voilà! Wow! Les Tigres l'emportent! Wow! Et de retour à Victo! Enfin! Et qui d'autre qu'Alex Bocage? Les Tigres l'emportent! Quel scénario! On a la Coupe, Mathieu! La Coupe est de retour à Victoriaville! Quelle prestation des Tigres! Quelle prestation des Tigres! C'est incroyable! Incroyable! Des images, Mathieu, qu'on attend depuis si longtemps! Depuis 2002 pour les partisans, j'ai envie de te dire, Mathieu. Tous les sacrifices qu'on fait pour suivre cette équipe-là. Ça fait 13 ans qu'on l'attend, cette équipe-là. Et on a cafouillé derrière le filet. Je vais décrire le but là, comme je peux. On a cafouillé derrière le filet. Nicolas Daigle, qui est revenu devant, qui a tenté le tourniquet. C'est Justin Guenette, regardez, qui s'est fait soutirer la rondelle. Il y a eu un arrêt. Et par la suite, Alex Bocage, qui marque une deuxième Coupe du Président pour Bocage. Qui d'autre? L'homme des grandes occasions permet au Tigre de remporter une deuxième Coupe du Président dans son histoire et de semer la consternation. Tout le monde disait depuis le jour 1 des séries qu'ils étaient imbattables, Pascal. On se les fait dire, ouais, vous êtes bons, mais les Foreurs, vous ne serez pas capables. Il n'y a personne, personne à part eux-mêmes qui croyait aux chances des Tigres. On a confirmé le but de Bocage. Quel scénario! Quelle victoire des Tigres! Et ce groupe-là a été soudé, a fait face à de l'adversité tout au long de la saison. On se rappellera résilience. On se rappellera de la période d'isolement que tu y étais. Oui. En février, Pascal. Ensuite de ça, deux séries dans lesquelles on a dû aller en match numéro 5 pour remporter la victoire. Quel scénario! Mathieu, je te disais 13 ans, ça fait 920 matchs qu'on est là. Ouais. Qu'on est présent avec l'équipe, même si on l'a vécu de façon différente. Cette saison, on est en bas avec l'équipe. Les émotions sont là. Puis je vois un gars comme Benjamin Tardy qui a raté une chance extraordinaire l'an dernier.
de remporter cette coupe-là. Son équipe qui allait le tout pour le tout. Et pendant ce temps-là, c'est la consternation du côté. Absolument. Des parents Mathieu, je te laisse poursuivre. On est sur Facebook Live présentement. Absolument, j'irai te rejoindre bientôt. Et tu vas prendre mes écouteurs pour la suite des choses pour entendre notre ami Lepé. Absolument, je vous reviens. Alors voilà toutes mes excuses. Là, je vais prendre le micro de mon collègue Pascal Lévesque qui va se diriger vers la patinoire. J'irai le rejoindre un peu plus tard. Question de vous décrire ce qui se passe. Alors que là, sur la patinoire, je vais essayer de vous décrire là, ce qui se passe actuellement avant d'aller vous rejoindre. Alors, avant d'aller rejoindre mon collègue Pascal Lévesque sur la patinoire, les joueurs des deux formations là, qui vont s'approcher au centre de la glace maintenant, bientôt pour la poignée de main. Bien entendu, les mines sont déconfites du côté des Foreurs de Val-d'Or. Du côté des Tigres, on a sorti les casquettes là, de champions. Les Tigres qui... se préparent là, pour la poignée de main traditionnelle au centre de la patinoire. Poignée de main avec les autres, les joueurs des Foreurs, bien entendu. Quelle résilience, quel caractère de cette équipe cette année des Tigres de Victoriaville. Chapeau au directeur général Kevin Cloutier, qui a fait des acquisitions importantes, acquisitions de taille. À la période des fêtes et qui ont payé. Qui d'autre qu'Alex Bocage pour venir marquer? Le groupe d'entraîneurs des Tigres, Karl Mallette en tête, qui a dirigé cette équipe d'une main de maître. D'une main de maître. Il y a encore des mines complètement, là, bien entendu. Ce n'est pas des belles images, des confites sur la patinoire du côté des Foreurs. Là, il y aura bien sûr... là. L'attribution, assurément, de d'un trophée, là, celui du joueur le plus utile. Après la poignée de main et bien sûr avant également là, la présentation de la coupe. Je suis renversé, fier de cette équipe. Quelle preuve de caractère les Tigres ont démontré durant ces séries. Les Foreurs, je vous le rappelle, étaient les grands, mais grands favoris d'à peu près tout le monde. Ils s'inclinent en 6 matchs face aux Tigres. Là, les accolades sont un peu plus longues qu'à l'habitude. Là. Au centre de la patinoire, bien sûr, là. Alors que mon collègue Pascal Lévesque, je crois, là, qui est de retour sur la patinoire, vient de faire son apparition sur la patinoire. Quel scénario! Est-ce que tu m'entends, Pascal? Super! J'irai te rejoindre, là. Je t'entends très bien, Pascal. Là. J'irai te rejoindre dans les prochaines minutes, mais quel scénario! Vous entendez, là, Pascal Lévesque est sur la patinoire. Ils s'en vont chercher pour téléphone afin de pouvoir vivre tout ça. Et Pascal, quelle preuve de caractère les Tigres ont démontré encore une fois aujourd'hui. Et tu me diras, Pascal, là, quand... Ouais.
Et là, Pascal, j'ai envie de venir te rejoindre, là. J'ai envie de te rejoindre. Alors, on vous retrouve dans les prochaines secondes. Je m'en vais rejoindre Pascal sur la patinoire. À tout à l'heure.
La saison avec leur famille, congé du travail afin de pouvoir officier nos parties, la saison et des séries. Il faut être passionné pour prendre une, deux semaines de vacances, loin de sa famille, de son travail, pour venir officier les parties. Chapeau à nos officiels. Il m'en reste pas long, je vous le promets. Un sincère merci à nos partenaires qui ont été présents cette année malgré une saison pratiquement à huis clos. Nous avons un groupe de commanditaires excessivement impliqués et dévoués pour la cause de hockey junior. Et nous voulons souligner le rapport capital à notre belle famille de la LHGMQ. Merci à nos partenaires cliniques Médicaction, Laboratoire Biron, Clinique infirmière Nord-Ouest de nous avoir épaulés dans la prise de plus de 10 000 tests de dépistage de la COVID-19. Je peux vous dire qu'après une soixantaine de tests, mes narines sont bien contentes que cette saison-là soit finie. Merci aux médias, télétiseurs, pour avoir permis de suivre les faits et gestes de nos formations tout au long de la saison. Ça a été tout un travail de leur part. Merci aux partisans, aux familles qui sont ici notamment aujourd'hui, qui ont suivi nos activités tout au long de la saison. On est vraiment contents de vous avoir eu ici pour la finale. Et on a hâte de vous voir la saison prochaine également. Merci à la santé publique de nous avoir épaulés tout au long du processus qui nous a permis de revenir au jeu. Merci à la ministre Charest, au gouvernement Legault de leur appui financier et de leur appui dans notre saison. Enfin, merci aux travailleurs de la santé, au personnel de première ligne. Je pense que cette année, c'est eux les vrais héros. On doit les saluer. Bravo à eux. Et après ces quelques remerciements, c'est le temps des célébrations. Commençons d'abord avec le trophée Guy Lafleur qui est remis annuellement au joueur le plus utile des séries éliminatoires de la LHJMQ. Pour présenter le trophée Guy Lafleur, veuillez accueillir le directeur des opérations hockey, M. Pierre Leduc. Le gagnant du trophée Guy Lafleur des séries éliminatoires 2021 des Tigres de Victoriaville, le numéro 27, Benjamin Tardif. Félicitations, Benjamin. Un honneur amplement mérité. Et maintenant, le moment tant attendu, la présentation de la 51e Coupe du Président. Pour amener la Coupe du Président au centre de la patinoire, veuillez accueillir deux membres du personnel de première ligne qui ont été au cœur de la lutte de la pandémie. D'ailleurs, merci aux ambulanciers, de Desercom qui ont été présents tout au long des environnements protégés ici à Québec. Et j'ai une demande spéciale pour vous. Je sais que vous avez l'habitude de le taquiner un peu en le huant, mais aujourd'hui, je vous demande d'accueillir chaleureusement et avec enthousiasme et euphorie le commissaire de la LHJMQ, M. Gilles Courteau. Président, j'invite le capitaine des Tigres de Victoriaville, Mihal Abramov, à venir récupérer le trophée.
passe à gauche.
retourner chez nous. Hein? Ah, mais tu peux rester avec moi aussi. Ça ne dérange pas. Oui, vous avez peut-être un bracelet. Ah, t'as pas de bracelet? C'est Julie qui a ça. Ah, ils sont là, les bracelets. Ouais, avec Mick. Ouais, avec Mick. Thank you.
Bye-bye.